3, 2, 1. Bonjour. Hello. À tout le monde. YouTube. C'est pas du tout ce que je dis d'habitude. Non, tu veux refaire ? Je suis perturbée. Non, je refais pas. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne. Pourquoi le voisin refait-il du bruit alors que tout allait mieux ? Il a décidé de faire du bruit à ce moment-là. Non, ça là, va. Ça. C'est juste à déplacer une chose, la ça. Pauvre. Je suis devenue par droit, quand même. Ouais. Bienvenue sur la chaîne dédiée aux jeux de société de Pénélope Gaming et ses amis. Et bon, elle, c'est un peu plus que mon amie, c'est Marjo. Et on va te faire une partie de jeu, on va te faire la règle, on va te dire ce qu'on en pense en fin de vidéo. Tout ça est tourné en direct sur Twitch, qui est une autre plateforme de vidéo, et où les gens ici parlent, ce sont les Twitchers, et je les remercie pour leurs dons, pour leurs abonnements, parce que c'est grâce à leurs dons et à leurs abonnements que j'arrive à survivre et que cette vidéo existe, parce que je le rappelle, tout le contenu de cette chaîne critique, donc le format critique, celui-ci, et le format Pénélope Show ne sont jamais rémunérés et ne sont jamais en financement participatif. Participatif, financement, en partenariat, ouais, commercial. Fais un petit clic là. Non, je fais pas de clic, ça c'est pas très grave. Aujourd'hui, nous allons jouer... Bref, on fait ça bénévolement, quoi. Voilà, aujourd'hui, nous allons jouer... Naora. Et sur YouTube, si t'aimes ce contenu, n'oublie pas de mettre un pouce sous la vidéo et de t'abonner. Aujourd'hui, nous allons jouer à Côte Naora, la cité de l'argent. Je suis trop contente parce qu'en fait, on y avait déjà joué une fois à Essen. On avait trouvé ça bien. Super, même. C'est sorti chez Chess Games Edition. Ils nous avaient pas fait que des bonnes choses. Ils nous avaient fait notamment Deal with the Devil, ouais. Le pacte avec le diable, qu'on avait trouvé nul. Ouais. C'était compliqué. Et en accord avec ce jeu. Starship Captain, qui pour moi avait été une assez grosse déception aussi, pas mauvais, non, mais non, je... voilà. Mais alors, le pacte avec le diable dans la catégorie, waouh, c'était chaud. On a Ondrej Bistron, Pietr Kaslava et Pavel Jarosz pour les auteurs. Je vois que les illustrateurs, ben, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas marqués sur la boîte. Ou alors, c'est un des trois noms. On n'aime pas quand le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur n'est pas sous la boîte. C'est pas de l'IA, ça je peux vous le dire, parce que vraiment ça n'en a pas la gueule. Mais c'est agaçant, il n'y a pas... Regarde sur BGG. Alors je vais sur BGG. Hop. Voilà, non, alors il n'y a pas le nom de l'artiste parce que en général, quand c'est comme ça, c'est pour une raison très précise, c'est qu'il y en a trop. Et que des fois, ils ne peuvent pas mettre tous les noms sur la couverture. Donc j'espère que les noms sont à l'intérieur. Mais donc il y a Roman Betnaf, Stepan Drastag, David Diakonowski, Jakub Politzer et Milan Vavrov. Et non, ça n'est pas de l'IA, j'ai pas eu de doute là-dessus, ça n'en a vraiment pas la gueule ni l'aspect. Et oui, l'IA, ça se voit. C'est pour l'instant en tout cas. J'arrive encore à le voir à l'œil. C'est pour 2-4 joueurs à partir de 30 minutes par joueur. J'espère pas gros menteur. Moi j'aime bien les jeux de 1h à 2. Et je pense qu'on sera plutôt aux alentours de 1h15 à 2. Donc 1h15, 1h30. Parce que live. C'est un jeu Yellow Expert et pour le coup on est sur du vrai expert. C'est-à-dire c'est pas non plus. On n'est pas au niveau d'un Voidfall, hein, on s'entend, mais là, on est vraiment dans du jeu expert comparé à parfois certains jeux de la gamme Yellow Expert, comme par exemple Ancient Knowledge qui tient en 5 pages de règles. Ouais. Là, il y a vraiment 10 pages de règles assez condensées avec un système plus intense et plein de choses qui se passent sur le plateau, pas mal de choses sur la table. C'est recommandé par Martin Lindberg d'Un Monde de Jeux parce qu'il y a... Oups. Il est juste derrière la boîte. Et encore merci à Caducé pour les 1000 bits. C'est grâce à ses dons que la chaîne survit. Et ainsi que c'est recommandé par Martin et Zéphiriel du Défossé. J'en profite pour leur faire des bisous. Ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. Et,
et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Coup de Naora, déjà, c'est un thème, moi, que j'aime bien. C'est un thème historique et puis c'est des thèmes un peu chelous. Hein. C'est genre, de quoi ça va nous parler? De quoi ça cause? Je connais pas Coup de Naora, Kezako. Coup de Naora, c'est une ville, en fait. Et c'est une ville qui était connue sous le nom de la Cité d'Argent. Elle était en Bohême centrale au XIVe siècle. Et ils sont venus, il y a des mineurs qui sont venus de toute l'Europe, je lis, hein, pour transformer la vallée de Bohême c'est une ville en Tchèque pour en faire une exploitation minière ultra ouf avec énormément d'argent, et ça a changé tout le destin de cette vallée et de cette ville et du monde, hein, d'une certaine façon. Alors derrière, moi j'adore les jeux qui font ça, il y a vraiment des photos du fameux Coup de Naora avec des explications historiques. En fait, il t'explique que toutes les cartes de lieux, ouais, ça représente des vrais endroits, ouais, quoi. Voilà. Ah, et ça, moi, j'adore. Coup de Naora, c'est présenté. C'est en 1260, c'est la découverte de gisements d'argent dans la région de l'actuelle ville de Coup de Naora, crée une véritable ruée vers l'argent. Et des hommes et des femmes affluent de toute l'Europe, et les habitations et les chapelles provisoires se multiplient aux abords de nouvelles mines. Et nous allons jouer, vous l'avez compris, nous, bah, ces hommes, ces femmes qui sont arrivés pour développer des mines et nous développer. Dans la ville, au passage. C'est assez intéressant comme thème de jeu, la Cité d'Argent, pour un jeu qui joue beaucoup sur la notion d'argent comme ressource principale de jeu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des ressources, vous allez avoir une seule ressource, qui est l'argent. Voilà. Et qui va... Mais vous allez comprendre, parce que je vais mieux l'expliquer en entrant dans les détails. D'abord, le matériel. Et le matériel, je le kiffe de ouf. Alors, vous pouvez pas voir, et ça, c'est un peu chiant, vous pouvez pas voir, mais sur les plateaux, là, ça, il y a un rendu argenté. Ouais. Je sais pas ce que ça me rappelle, un peu les stylos qui font argent, oui, tu sais, mais il y a un rendu vraiment un peu comme une fine pellicule qui donne, et on le voit un petit peu à l'écran, un peu argenté. Tout pareil sur le doré, il y a un effet un peu doré. Trop bien. Et j'adore comment ils ont traité le dos des tuiles et des bâtiments. Vous verrez, mais les couleurs et des bâtiments sont vraiment chatoyantes et elles pop sur le noir, ouais, sur le fond, ouais, noir, ouais, du jeu. Il y a aussi des tuiles là, je sais plus, qui sont pareil, qui sont dorées. On dirait des cartes spéciales, on dirait des cartes Panini. Vous voyez, elles brillent franchement. Est-ce que c'est pas censé être dans l'ordre, ça? Non, non. Okay. Comment ça, pas censé être dans... Non, ça n'a rien à voir, c'est des piles de particules. Pareil, ici, vous avez des cartes qui vont être des cartes événements, qui sont dorées, qui sont illustrées et qui ont du brillant dessus. C'est extrêmement beau sur la table. Il y a Dalmore qui en a déjà parlé, Rachel en a parlé, le Rewood. Donc c'est un recyclage de bois plastique, et effectivement, c'est un nouveau truc, et effectivement, ce jeu... Tous les petits trucs comme ça, là, c'est en Rewood. Ah, c'est trop bien. Alors, ça en plus, je vais pas vous mentir. C'est derrière la boîte. Donc, ça en plus, je t'avoue que là, tu vois, quand j'ai vu la matière... Un matériau 100% recyclé naturel. Ah ouais, précis. Cool. Et franchement, les figurines, c'est pareil. J'aurais dû mettre une caméra... je vais peut-être brancher la caméra, la petite caméra supplémentaire que j'ai. Parce que c'est pareil pour les petits bâtiments. Ils sont super précis. Ils sont hyper agréables en main. Ouais. C'est légèrement plus lourd que du plastique. Et moins... Tu vois, un peu le poids du bois. Mais avec un toucher un peu plastique. Mais plus, ouais, sensuel que du plastique. Pardon pour ce mot, mais je me comprends. C'est moins froid. Et j'aime... Justement, quand j'ai... installer les éléments, je me disais, putain, c'est hyper agréable comme matière, je sais pas ce que c'est. Du coup, c'est génial, parce que si c'est une matière qui est éco-responsable, c'est cool quand on peut combiner les deux, quoi. Exactement. Caducée qui dit, elles sont plutôt détaillées d'un point agréable, et ben, je confirme, c'est vraiment pimpante et éclatante. Ouais. Donc, au niveau du matériel, moi, c'est un putain de grand oui. Je suis ultra fan du matos de ce jeu. Là, vous allez avoir la cathédrale qui va se dessiner, et on va avoir tout le... On voit le plan de la cathédrale qu'on va pouvoir construire. Et tout ce principe d'argent qui brille un peu, et les cartes qui sont comme ça, là, qui brillent aussi, et elles sont vraiment, vraiment trop, trop classe. Ça, je les trouve trop, trop belles. J'aurais aimé vous faire des... J'aimerais avoir ma petite caméra plan serré pour que vous voyez bien. Mais si vous aimez bien un peu les illustrations façon médiévale, là, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Pentiment, et qui effectivement est exactement dans cette
logique-là, vous serez ravis d'avoir ce jeu. Et vraiment, le matériel, il donne déjà envie de jouer. Et vous avez ça, qui est monté et qui est vraiment trop cool. Ça, c'est un porte-deck de cartes, hein, vous verrez. Hein, y a tout le deck de cartes qui est là. Et en fait, c'est le cours du prix des ressources dans le jeu, et vous verrez comment ça va fonctionner, je vais l'expliquer. Et les trois présentoirs sont vachement costauds, c'est vachement bien, ouais. C'est hyper agréable. Et non, c'est pas du tout difficile à monter, a priori. Non, ça c'est pas difficile à monter, ça m'a pris 2 secondes. Vraiment, j'avais un peu cette crainte, et en fait, non, pas du tout. Et là, on est sur un prix compétitif, parce que tout ça, c'est à 53€. Ouais. Et pour le coup, t'as de la figurine, t'as des tuiles, enfin, t'as... T'as des pions. Oui, pardon, t'as des éléments entre ouais. bois et plastique. T'as des tuiles, t'as des plateaux, plusieurs, t'as des cartes, t'as des présentoirs, t'as des plateaux qui sont double couche. Ouais. Et ben, 53,90€, franchement, super correct par rapport... Salut la petite pelle! Tu as un excellent pseudo pour ce chat, je te le dis. Je pense qu'il est déjà ouais. fan numéro 1. Et bienvenue à toi, c'est la... Les deux présentoirs peuvent rentrer dans la boîte une fois montés d'ailleurs, heureusement. Ouais, ça c'est clair. Mais effectivement, ils ont prévu une boîte assez grande pour que tout le matos rentre une fois monté. Ça, c'est bien. Et 53,90€, je rappelle que c'était le prix du jeu auquel on a joué ouais, la dernière Gold fois, Wood. Qui s'appelle Gold West. Gold West, qui avait deux fois moins de matos, que c'était que de la tuile. Je veux dire, là, il y a deux poids, deux mesures. C'est ça. Je dis juste que, non, pas de thermoformage pour que tout puisse rentrer. Et le tout plus respectueux que la plupart des autres jeux. Ouais. C'est vrai que maintenant... On sait qu'il y a ça. En plus, alors, ce que vous voyez, enfin, vous voyez, mais moi, le truc que j'adore dans cette illustration de boîte, c'est l'imprimé filigrane qu'on voit derrière de la ville avec cette pièce. Je trouve cette boîte super belle. Alors, j'ai Léon qui dit on achète un jeu, pas du matériel. Ouais, alors, si tu achètes un jeu à 70 balles et qu'il y a zéro matos ou qu'il y a du matos très moyen, je peux te dire que tu fais la gueule. Alors moi je te le dis, je la connais cette phrase, on me l'a déjà dit plein de fois. Je suis désolée, ça compte. Hein, et je suis d'accord. Non mais là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'effectivement on achète un jeu. Il y a des jeux où le travail sur le jeu a demandé effectivement un certain prix et que des fois ça se justifie d'avoir un prix plus cher pour voilà. Mais on achète aussi du matériel. Je suis désolée, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent ou qui a connu le fait de pas en avoir beaucoup. Et quand je mets 50 balles dans un jeu, que j'ouvre la boîte et qu'il y a rien dedans. Bah, mon premier sentiment, c'est que moi, je ne suis pas là pour savoir exactement comment le jeu il a été fait. Par contre, j'ai lu la règle en détail. Vous savez maintenant que je m'applique à ça. S'il y a une erreur de règle, ça peut arriver. C'est parce que j'ai un cerveau humain. Fait, finalement. mais malheureusement, à tous ceux qui grognent, des fois, je l'ai lu la règle en entier et plusieurs fois. Voilà. Donc, c'est juste qu'après, bah, on fait des erreurs parce qu'on fait des erreurs. On en parle du matériel oublié une fois que la boîte est fermée. Ça, c'est quelque chose. On ne pardonnera aucune erreur de règle. Vous êtes drôles. 167 spectateurs, merci d'être aussi nombreux. On est dimanche, ça fait extrêmement plaisir. C'est vraiment un très très bon horaire, celui-là. Je pense qu'on va garder cet horaire-là pour les lives du dimanche. Ouais. Parce que c'est le moment où je vous sens le plus nombreux et le plus content. Donc ça, moi, ça me fait plaisir. Et c'est parti, je vous explique rapidement quand même les grands traits de la règle avant de rentrer dans les détails. Nous sommes à Kutnahora, pour l'instant une vallée vierge de tout bâtiment et il y a un endroit où on va s'installer, on va installer nos bâtiments. Nous avons des mines qui n'ont pas encore été creusées, nous avons un marché de bâtiments, des événements, un compteur de tours. Ça c'est le cours de l'argent, enfin c'est le cours de chaque ressource. Je vais expliquer ce petit concept tout de suite parce que comme ça vous l'aurez pour la suite des règles. Dans ce jeu il n'y a pas de ressources. Quand on veut payer quelque chose en pierre, en marbre, enfin je sais pas si c'est du en argent d'ailleurs, en pierre, en argent, en bois, en jambon, en non c'est pas du jambon mais je sais si, pas si c'est, ah oui, c'est, ça, un c'est pas du jambon, en boisson ou en permis, vous comprendrez, en document, et ben on va payer tout simplement l'équivalent de, par exemple si je veux prendre deux charbons, deux comme ça, deux pierres, et ben il faudra que je paye 2 x 3, c'est-à-dire 2 fois le prix en cours de la ressource, c'est-à-dire que je remplace, toutes les ressources sont remplacées par l'argent, et donc on regarde le cours actuel de la valeur,
et on paye comme ça. Et ce qui est cool dans, dans ce procédé-là, déjà, c'est que ça fait moins de matériel sur la table, et c'est beaucoup moins galère, il n'y a pas ce côté marchande, et on a l'avantage de pouvoir changer la valeur tout le temps, et que c'est ça, c'est une idée assez géniale, et qui est pour l'instant que je n'ai vu que dans ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu ? On va avoir des cartes actions. Et à notre tour, on va jouer des cartes actions. Et en fonction de l'action choisie, on va pouvoir aller chercher des bâtiments pour les construire dans la vallée, commencer à faire des mines, acheter des nouveaux permis, réserver des parcelles de terrain, etc., etc. Le tout, bien sûr, pour gagner un maximum de points de victoire. Les points de victoire, c'est la piste qui fait le tour de la table, ici. Et voilà, on arrive en fin de partie, et celui qui a le plus de points de victoire a gagné la partie. Nous sommes à Kutnawa, en 1200 et quelques. Vous ce qu'il dit, un jeu où on peut payer en charcut et en bière, c'est déjà un jeu exceptionnel en soi. Et sur ce, je m'en vais vous faire la règle dans son intégralité. J'ai fait une mise en place pour deux joueurs, c'est-à-dire que j'ai rajouté ici des cartes événements qui seront retournées au début de chaque manche et qui rajoutent un petit événement et qui sont hyper joliment illustrées. C'est une des forces aussi de ce jeu, je trouve. Enfin, je l'ai déjà dit, mais là, vraiment, l'illustration, c'est vraiment quelque chose de très très beau. On est parti. Donc, au début, ils ont une page où ils t'expliquent le grand fonctionnement. Donc, le jeu va se dérouler en un certain nombre de manches, pour être plus exact, 6 manches. Alors ça, je suis pas sûre d'ailleurs, ça va être 5 manches, et là, c'est quoi ? C'est peut-être 6 manches quand t'es à 3 ou 6 manches, et il n'y a pas d'événement sur la dernière manche. Oui, c'est ça. Tu n'es pas sur le bon côté du plateau, d'ailleurs, je crois. Comment ça ? Il y a plusieurs côtés de plateau ? Ah, pour la ville et la mine, oui, pardon. Ça, ici ? C'est possible. Oui, oui. À quoi on sait ? Ah oui, c'est pour le petit. Ah oui. Alors, pardon, excusez-moi. Merci Caduce. C'était pour vous montrer. Comme ça, vous avez vu qu'il y avait les deux côtés. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi cette tuile est comme ça ? Bon, je verrai après. Je vais regarder juste la disposition que j'avais des tuiles. Voilà, Joël qui dit ah, déjà une erreur. À deux. Alors non, ça va là. Hop. Ok, merci. Bah non, bah c'est cool, tant mieux. Hein, comme ça, vous aurez vu les deux faces. Exactement. C'était pour le pour votre enrichissement personnel. Donc, on va pouvoir construire dans cette zone. Donc, le jeu est divisé en 6 manches. Au début de chaque manche, quand il y a une carte, on la révèle et on va appliquer son effet. Chaque manche va être divisée en 3 tours. Le premier joueur, ce sera moi au début de partie, et ce qui fait l'équilibre, c'est que j'ai 40 pièces, t'en as 41. Waouh! Ouais. Le premier joueur va choisir deux cartes de sa main pour jouer les actions. Puis tu vas jouer deux cartes. Puis je vais rejouer deux cartes. Puis nous allons en choisir une dernière. Enfin, je vais en choisir une dernière. La dernière ne sera pas jouée. Et à ce moment-là, c'est la fin de la manche. On va jouer ça 6 fois. Donc 7 cartes, 6 fois. 5 cartes, 6 ah, fois. 5. Parce qu'on a 7 cartes, on en joue que 6 cartes et on en joue que 5. À la fin de chaque manche, on va devoir faire la phase d'impôt. On va payer nos impôts. À chaque fois, c'est rappelé ici, en fait, par ce petit cartouche. Et on va changer de premier joueur et on va passer à la manche suivante. Hop, au niveau des actions, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous montrer ça de plus près. Les cartes, et ça, c'est un autre twist du jeu que j'aime bien. Et elles sont super belles, les cartes actions. Hein. Elles sont vraiment très, très, très belles. Et pareil, hein, y a toujours ce traitement un peu ouais. Brillant, hyper beau, vraiment. Et le choix des couleurs, moi, je suis ultra fan. Ultra, ultra fan. Donc, les actions, chaque carte action est composée de deux actions. Et en fait, vous allez choisir une des deux. Par exemple, je pourrais jouer celle-ci pour son action parcelle et celle-ci pour son action revenu. Vous comprenez qu'à ce moment-là, je perds mes deux actions bâtiment. C'est peut-être pas un très très bon choix parce que je n'en ai plus. Donc j'aurais très bien pu prendre cette action revenu-là, ce qui fait que je gardais toujours une action bâtiment. Je joue les deux actions que je visibles dans le sens de ma carte et je les défausse. Voilà. On fera jamais l'autre action dans cette manche-là. Les cartes seront récupérées en fin de manche. Ça aussi, j'ai oublié de le dire. Et maintenant, je vais vous décrire quelles sont les différentes actions. La première action, c'est l'action de mine. L'action de mine,
c'est ce qui va nous permettre, piouf, de placer des tuiles, enfin d'aller creuser la mine, donc d'aller piocher des tuiles mines et de les placer ici, avec nos mineurs dessus. Donc, on vérifie déjà si on a des mineurs disponibles. Sur notre plateau joueur, nous avons plein de choses. Nous avons notre piste de production dans trois ressources. Alors pourquoi ? Parce que en fait, on ne va pas jouer chacune avec les mêmes guildes. Moi, clairement, j'ai Marjo, elle a le jambon, la bière, les permis et le bois. Ouais. Et moi, j'ai la bouffe et les livres. Voilà. Moi, j'ai les alcooliques qui travaillent à la mine, clairement, parce que j'ai la bière, la pierre et l'argent. Voilà. Et c'est terrible. Et en fait, je vais monter mes pistes de production en fonction de... Vous verrez comment. Ça, ce sont des bâtiments qui vont être débloqués aussi. Ce sont des bâtiments de guildes qui vont être débloqués au fur et à mesure de la partie. Et là, j'ai mes mineurs. J'ai tous mes petits mineurs. Et là, j'ai mes mineurs de réserve et mon mineur disponible. J'en ai qu'un au début. Je peux en avoir deux maximum. On le voit, c'est très bien fait. Il y a un emplacement où je peux en mettre que deux. Ça ne tient pas plus que deux. Voilà. Donc... je vérifie si j'ai un mineur disponible et au début de je peux, si je veux, quand je fais l'action mineur, alors je vous le rappelle, l'action de mine, la première chose que je peux faire, c'est acheter un document pour récupérer deux mineurs ou un mineur et les rendre disponibles. Acheter un document ? Oui. C'est pas vendre un document ? Non, j'achète un document. Et qu'est-ce que ça veut dire acheter un document ? Bah, c'est regarder le prix en cours du document, là ça serait 4, ici, et je paye 4 pour pouvoir, du coup je payerai 4, pour pouvoir prendre un de mes mineurs et le mettre ici. Mais ça, c'est quelle action ? C'est mine, c'est la première c'est phase. Avant... Ok, d'accord. Voilà. Et c'est la première phase, elle est écrite sur la carte. Donc ça te permet d'avoir des mineurs disponibles. Si t'en as aucun, tu peux en prendre 2. Si t'en as un, déjà, tu ne peux en prendre qu'un. Tu peux Mais pas tu en avoir peux en... plus. Si t'en prends 2, tu payes 2 fois le prix ? Non. Ah ok, d'accord. Voilà, un contrat pour deux mineurs. Ensuite, tu pioches une tuile mine. Tu pioches autant de tuiles mine que la technologie de minage en cours. Pour l'instant, on a une technologie qui est au niveau 1. Elle passera au niveau 2, puis potentiellement au niveau 3. On verra comment. Enfin, au niveau, jusqu'au niveau 4. Non, jusqu'au niveau... Ah, c'est marrant. 3, 3, 2, c'est bizarre. Ouais, on verra. Ça, je sais pas comment ça... Je vais vérifier. Mais en gros, tu pioches une tuile, tu la retournes, et tu vas pouvoir la placer. Les règles de placement. Il faut soit être à l'entrée, là où il y a des échelles, et on paye le coût en bois de la tuile. Donc là, ça serait deux bois. Je suis désolée, j'arrête pas de poser la même question. Oui, je pense qu'elle a absolument suivi la... Carte de mise en place, en place ouais. Pour les guildes et la mine. Non, on s'en fout. Et ensuite, on met un de ces mineurs disponibles sur la tuile qu'on vient de poser. Ça, on sait que c'est à toi. Quand tu vas construire une prochaine tuile, tu pourras la mettre adjacente. Alors, soit sur l'autre échelle, soit adjacente à une tuile qui a déjà été creusée, adjacente, bien sûr, orthogonalement. Et à ce moment-là, c'est très clair, il faut payer le coût de ta tuile, c'est le prix de la tuile adjacente. Ah, c'est d'accord. Donc, par exemple, ça m'a coûté 2 bois de construire ici. Mais celle-là, si, ça m'a coûté 1. Pour construire là et là, ça coûtera 3. Voilà. Donc ça, ça rappelle le prix des adjacences. On creuse toujours vers le bras bas, la droite ou la gauche. On ne creuse jamais vers le haut. C'est rappelé par le petit symbole avec les petites flèches qui ne vont pas vers le haut. Voilà, qui ne vont pas vers le haut. Bon, on va dire qu'on a oublié ces tuiles. Non, je les ai pas regardées, effectivement. Hop. On y place un pion mineur et quand on place une tuile mineure, on va changer des choses. On va avoir des informations sur la tuile elle-même. Notamment là, ici, on va augmenter notre production de 2. Donc là, je vais venir sur mon plateau perso et je vais augmenter ma production ici de pierre de 2. Et... Non, c'est pas ça. C'est pas celle-ci. C'est la production de minerai qui est là. Pouf. Et... Et le symbole indique qu'on doit faire progresser le paquet minerai du nombre de cartes indiquées. Donc ça, quand on construit, quand on a ce symbole ici, et ben on va enlever autant de cartes du paquet minerai. Alors le paquet minerai, c'est lequel ? C'est le paquet de celui-ci. On va retirer deux cartes. Donc, parce que quand on commence à creuser, ça change le cours de la ressource en cours. Voilà.
On verra si ça fait monter ou descendre. D'ailleurs, il y a une logique. Moi, je suis pas très bonne pour ça. Mais il y a une logique qui est expliquée, en gros, au début du jeu. Genre, c'est quand la production de minerais augmente, donc quand tu creuses, le prix du minerai baisse. Oui, bah, mais y en a plus les prix des documents augmentent. Oui. Voilà, ça coûtera plus cher d'aller... En fait, il y en a plus de disponibles, donc... De recruter des... Voilà. Et certaines tuiles vont te donner... vont rendre la ville plus attractive et donc vont faire avancer cette pile de cartes-là. Parce que ça, c'est l'attraction de la ville, plutôt. Hein. C'est dès que la population augmente, c'est ici que ça, ça va changer. Et il y aura des points immédiats de score de temps en temps, donc... hop. La deuxième action possible, c'est l'action permis. Hop. Elle est là. C'est l'action bleue. L'action permis, elle permet de choisir une tuile bâtiment depuis l'hôtel de ville, de payer... Donc, on ne peut choisir quoi ? On ne peut choisir qu'un bâtiment de guilde si c'est une guilde qu'on possède. Donc, toi, tu peux acheter ça. Ou le bois. Voilà. Ou le bois. Ça. Alors, c'est pas du bois, hein, c'est... Si, c'est du bois, d'ailleurs. T'as ces trois bâtiments-là que tu peux acheter. Non, pardon. Regarde, c'est les maçons. C'est les bâtisseurs, donc c'est ça. Ici. Mmh. En fait, c'est pas la couleur que tu regardes. C'est le petit icône. Ok. Donc, je peux acheter les bâtisseurs. Ça. Ça, je sais plus ce que c'est. Non, c'est pas les bleus, c'est les... Ah, il l'explique à un moment. C'est les scribes, ouais. Bâtisseur, scribe, marchand, toi, t'as. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai métallurgiste, mineur et aubergiste. Du coup, vu qu'on a aucun truc en commun, alors voilà, à 4, t'as des trucs en commun, donc tu sais qu'il y a des gens qui peuvent pouvoir venir te voler des trucs. Ouais. Là, en fonction des événements, on verra, mais sinon... Par contre, les tuiles neutres, qui sont celles-ci... Non, ça, c'est pas... Non, c'est pas celles-là. Elles sont où ? C'est celles-là. C'est les trois qui sont là. Ouais. Tout le monde peut les acheter. Et tu verras ce qui se passera ensuite. Donc, quand tu fais un... Tu choisis ça. Ici, tu vas payer une pièce. Mm-hmm. Et ici, tu vas payer un document. Mm. Un document, deux documents. Quand tu choisis une tuile, tu la payes. Puis, tu vas prendre sa pile. Tu vas la mettre à gauche, à droite. D'accord. Puis tu vas tout... Quand tu dis tu la payes, c'est genre si j'avais deux trucs là, je baisserais. Non, c'est comme c'est toujours la même chose. Un document, je regarde le cours du document et je paye en argent. Et mes pièces, elles sont... C'est ça. Oui, ça c'est ton argent. Là, le document, c'est 4. Donc si je veux acheter ça, c'est 4. Ça, c'est une pièce, ça c'est 4. Ça, c'est 8. Donc, je prends une tuile, je mets la pile à droite et je décale tout vers la gauche. Et ça va changer, en fait, les emplacements de... Oui, leur coût. Le coût des bâtiments. Hop. Et celle-ci, elle où ? Alors, les bâtiments, je vais t'expliquer après comment ça se passe. Ça, elles arrivent plus tard. Ah, d'accord, ok, elles sont pas encore... Elles arrivent plus tard dans le jeu. Donc, l'action permis, c'est de récupérer une tuile, de la payer, de décaler les bâtiments, etc. Et de la placer dans une de ces encoches. Si tu n'as pas l'encoche d'encoche libre pour placer une tuile... Tu peux pas. Bah, tu peux pas faire l'action, tout simplement. Donc, tu la fais pas. Logique. Là, c'est un peu comme quand t'as pas les sous pour payer un illustrateur, tu prends pas les IA. Voilà, tu fais pas le jeu. Tu fais pas... Logique. Voilà, logique. Donc... Tu places ta tuile ici, elle est réservée, c'est un plan de... En gros, t'as acheté le permis de construction pour pouvoir faire ça plus tard. L'action parcelle, c'est la deuxième étape pour pouvoir construire des bâtiments dans la vallée, puisque là, c'est le moment où tu vas réserver des emplacements pour tes tuiles. T'as des petits pions, t'as des petits pions carrés ici, et l'action parcelle, elle te permet de réserver des endroits. La première parcelle que tu vas réserver, elle doit être bord cadre. Ouais. Alors, pardon, j'ai dit une bêtise. Si, je crois que t'as raison. N'importe quelle case, non revendiquée. Non. Ok. Non, c'est pas obligé d'être à... Donc, non revendiquée, je me mets quelque part. Et à ce moment-là, la première parcelle, elle coûte toujours le même prix. Elle coûte 5. 5 pièces. S'il y a déjà un bâtiment, alors là, il n'y a pas de bâtiment. Hein. Tant qu'il y a Pour l'instant, il y a juste ce que tu as dit, a priori, c'est mon... Voilà, j'ai réservé une parcelle. Si toi, tu voulais réserver, tu pourrais toi aussi te mettre n'importe où parce qu'il n'y a toujours pas de bâtiment. Mais mettons plus tard, pouf, j'ai mis une boulangerie. Ouais. Si toi... Et je l'ai revendiqué et puis c'est à moi. Voilà. Alors, c'est pas possible parce que les boulangeries, je peux pas les faire, mais... Oui. Voilà. Toi... Tu vas, à ce moment-là, à ton tour, tu ne peux revendiquer que quelque chose d'orthogonal. Mais s'il y avait tout qui avait été... Enfin, tu peux que réserver... Voilà. Mais si, à ton tour,
tout est réservé comme ça, à ce moment-là, tu peux te mettre n'importe où. Ok. Ok. Le prix pour construire, pour réserver ta première parcelle, c'est 5. Mais si tu réserves une parcelle adjacente à un bâtiment, tu vas réserver au coût qui est écrit sur la tuile. Ici, par exemple, ça dit que toutes les parcelles adjacentes sont à 6. C'est marqué sur la tuile. Ouais. Là, ça serait 6, 3, 8, 12, 9, 7, 8. On voit que c'est cher. Waouh ! Il y a une façon de payer beaucoup moins cher. Si tu augmentes sur ton plateau perso, on a une piste de réputation. Elle monte quand, dès qu'on gagne des points en vert, comme ça. Mm-hmm. On voit, il y en a sur certaines tuiles qui vont nous en apporter. Quand on arrive dans cette zone-là, réserver une parcelle, ça vaut juste 1. C'est drôlement rentable. Super. Donc, tu peux réserver des parcelles comme ça. Et on marque la parcelle avec son petit marqueur. Attention, on a 3 marqueurs pour réserver des parcelles. Par contre, quand on en réserve trop et qu'on ne construit pas, ça nous augmente ici la valeur d'impôt qu'on va payer en fin de manche. Première parcelle ne te coûte rien, la deuxième 3, la troisième 5. Ça fait cher. Non. C'est où tu veux. Tuile neutre, bâtiment public dans les règles, non où tu veux et ouais. Sur la ligne du bas de tes bâtiments. J'ai pas compris. Ah oui, non, c'était il y a longtemps. Tu veux, c'est tu te places où tu veux. Voilà. Et sur la ligne du bas de tes bâtiments, je sais pas ce que c'est. Non, je sais pas. Ah oui, là aussi, tu peux gagner du vert. Alors, la quatrième action, je sais plus à combien on en est, je crois que c'est 4. Hop, c'est l'action bâtiment, justement. Une fois qu'on a réservé un emplacement et qu'on a un bâtiment à construire, on va pouvoir envisager de construire ce bâtiment. On choisit une des parcelles, donc un endroit qu'on aurait réservé déjà à l'avance, donc là vous voyez pas, mais un endroit qu'on aurait déjà réservé à l'avance. On place la tuile bâtiment sur la parcelle en payant son coût. Oui, il faut encore payer. Son coût de construction, cette fois-ci là par exemple, ça serait 6 bois. Putain. Hyper cher. Je paye donc en argent l'équivalent et je vais résoudre immédiatement les effets de la tuile. Tout d'abord, on va monter en production sur la ressource qui est écrite, puis on va bouger le cours là-bas, la flèche, okay, vers la droite. On va la faire avancer, par exemple. Ici, on va changer de deux cartes, on va enlever deux cartes au deck de cartes correspondant, et là, on va retourner une tuile, on va commencer à construire la cathédrale. D'accord. Tu vas avoir à chaque fois des effets, donc je les expliquerai à chaque fois, mais en gros, souvent, la première chose, c'est ça fait monter sur la piste de ressources de la guilde correspondante. Et ça va apporter différents avantages, des points, etc. Ça va faire monter la valeur de chaque ressource, donc c'est chiant. Et il va se passer d'autres trucs. Là, ici, sur notre plateau, on a des bâtiments en ligne qui correspondent aux guildes. Si je construis un bâtiment d'une de mes 3 guildes, je peux mettre une maison dessus. Et profiter du coup du bénéfice immédiat. Mais je ne mets pas de maison sur les bâtiments publics. Les bâtiments publics n'appartiennent à personne. C'est ça. Ils sont, par définition, publics. Et je ne peux jamais construire de bâtiments dont je n'ai pas la guide. Donc dans les effets ici, on va avoir gagné une tuile bâtiment public, gagné un jeton pélican. Les jetons pélican, je vous les expliquerai, mais on va en gagner justement par ce biais-là. Augmenter notre réputation ou gagner des points. Et les jetons pélican, je vais vous expliquer à quoi ils servent ensuite. Donc on a vu l'action bâtiment. Bâtiment de guilde des mineurs. Alors la guilde des mineurs, elle est particulière. Elle permet d'augmenter la production de minerais de la guilde ici, et pas la production ici que là toi tu peux aussi augmenter en fait. Tu peux creuser dans la mine. Mais moi par exemple, je suis la seule qui pourrait augmenter cette production là. C'est celle avec mes guildes. Et c'est la même ressource quand même. Donc on verra plus tard. Alors, quand on a un effet de tuile qui permet de retourner une tuile de la cathédrale Sainte-Barbe, parce que c'est la cathédrale Sainte-Barbe, on ne récupère pas les bénéfices de la tuile. On ne fait qu'augmenter les impôts. Ok. Il y a un autre moyen de retourner cette cathédrale, c'est l'action Sainte-Barbe. L'action Sainte-Barbe, c'est l'action violette. Et pour faire cette action, on utilise nos jetons pélicans. C'est ça.
je dois retourner un jeton pélican pour retourner une Sainte Barbe. Et quand je retourne une tuile de la cathédrale Sainte Barbe, je commence par la gauche vers la droite et par l'étage du bas, parce qu'on ne construit pas une cathédrale par le toit. Et je peux récupérer immédiatement les bénéfices. Donc là, je dépense un jeton pélican, boum, je gagne 2 points de réputation, et basta. À ce moment-là, par contre, on ne monte pas les appos. On n'effectue que le bénéfice en haut, qui correspond en fait un petit peu à la couleur pélican. Mmh. Et en bas, c'est quand on a un effet de tuile. Mais quand tu dis on monte les impôts, c'est-à-dire qu'on les collecte tout de suite ou... Ah oui, c'est ça, ok, d'accord. On augmente les impôts. Ça va être chaud. Salut, je vois tout flou. Ouais, un bon stream énervé. Donc, enfin, on a une dernière action. C'est l'action de revenu. C'est le moment où on va gagner l'argent qui nous est dû en fonction de nos revenus. Mettons que j'ai construit des mines, j'ai fait des auberges, tout ça, mon revenu il a changé sur mon plateau. Et bien tout simplement, je vais compter pour chaque ressource. Par exemple là, j'ai 2 en bière. Je vais regarder le cours de la bière. C'est 5, donc 10. Okay, 2 fois 5, 10. Ici là, j'ai 5 en minerai noir. C'est à 3. 3 fois 5, 15. Je gagne 15. Et par contre, je gagne tout en argent, comme d'habitude. Et on part à 0 de partout, là. Et à chaque fois, durant cette phase, enfin, durant cette action, c'est rappelé ici, sur la carte revenu, on peut payer 10 pour rajouter des... transférer un jeton aristocrate de la zone multicolore jusqu'au conseil d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des tuiles qui vont nous offrir des jetons aristocrates. Oui. Les jetons aristocrates, c'est ceux qui sont figurés ici. Des jaunes, des noirs, des verts et des rouges qui n'arriveront qu'ensuite. Ils sont sur le côté du plateau, là, dans la réserve. Ouais. Et donc, bah, s'il te plaît, aide-moi. Et donc, quand on... Bah, non, mais donne-moi. Je n'ai pas le bras, non. Quand on en a un sur une tuile, donc là, ça serait celle-ci, on va le mettre dans la zone multicolore. Et donc, une des actions qu'on peut faire au moment de l'action de revenu, c'est récupérer son argent, puis on va payer 10, on peut, pour mettre l'aristocrate sur une zone. Sachant que pour qu'il rapporte des trucs, il faut faire ça. Ouais, et en fait, ça, c'est des scorings de fin de partie. Enfin, de fin de manche, plus exactement. À chaque fin de manche, on va avoir un scoring. Oh là là. Et je vais réexpliquer tous les scorings dans une seconde. Mais en gros, ils vont être multipliés par le nombre de têtes d'aristocrates placées. Ils vont être effectués s'il y a des aristocrates. Petite dernière chose, nous avons une carte Joker. Et le Joker permet de jouer n'importe quelle autre action, sauf qu'il nous fait baisser de 1 dans notre réputation. Oh, c'est pas bien, ça. Et si jamais on atteint la piste de réputation au niveau 6, 8, 9, 10, enfin 6, 7, 8, 9, on n'a plus besoin de... payer ce moins 1 de réputation. Et ça, c'est cool. Il y a des petits chiffres, il y a des petites précisions sur les ajustements économiques. Je les expliquerai en cours de partie, mais il y a des choses qui vont nous faire qu'il n'y aura pas que des simples numéros dans les cases sur, sur les deux trucs là-bas. Et j'expliquerai quand ça arrivera, au moment où ça arrive. Ouais. J'ai expliqué la piste de réputation, on est content. C'est fou parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en même temps, c'est assez fluide. Oui, oui, là, on est à la fin de la manche. Donc, fin de la manche, on va collecter les impôts. On a le choix entre payer les impôts et voir la réputation diminuer. Mais si on n'a pas de quoi payer les impôts, on n'a pas le choix, on perd de la réputation de toute façon. Donc, on additionne le cours de l'impôt en cours, plus... éventuellement nos majorations parce qu'on a fait trop de parcelles pendant le tour. Oui, quoi, voilà. Et c'est vraiment 3 plus 5, hein. C'est pas 3 ou 5 si t'en mets 2, c'est 3 plus 5, 8. À ce moment-là, on va mettre la mise en place suivante. On va faire la mise en place de la manche suivante. On tire la nouvelle carte événement. On va mettre éventuellement les bâtiments aristocrates en place si on arrive à la fin de la manche 3. Ouais, bien sûr. Et. On fait le décompte des points des aristocrates, donc c'est le moment où je vous explique. Là, c'est pour chacun des bâtiments, tu comptes un point par bâtiment public adjacent, et tu multiplies ensuite ce résultat par le nombre d'aristocrates verts. Donc tu veux que tes bâtiments soient adjacents à des bâtiments publics. Ici, c'est pour chaque paire de jetons pélicans gris, donc utilisés, fois 3, fois le nombre d'aristocrates. Ici, c'est si tu possèdes une tuile mine à chaque étage de la mine, tu comptes 2 points, et si vous aviez au moins 2 tuiles mines à chaque étage, tu comptes 4 points.
et tu multiplies ensuite ce résultat par le nombre d'aristocrates joueurs. Et là, t'as, pour chaque colonne de votre plateau joueur, dans laquelle toutes les maisons ont été retirées, comptez 3 points, multipliez ensuite ce résultat par le nombre d'aristocrates rouges. Et là, on a fait le tour de toutes les règles. On arrive à la fin de partie quand on a fait... Donc, une partie à 4 joueurs prend fin à la fin de 5 manches. 6 manches si on est 2 ou 3 joueurs. Okay. Les joueurs accumulent un certain nombre de points durant la partie. Et donc, on va compter 1 point pour chaque icône. On va parcourir la ville, ici, bâtiment après bâtiment. Et on va faire 1 point pour chaque icône correspondant celle de l'an... Oui, c'est-à-dire que... se trouvant sur un bâtiment adjacent ou sur le bord du plateau. Donc en fait, chaque bâtiment va rapporter des points en fonction du bâtiment adjacent ou du bord du plateau. Je m'explique. Lui, par exemple, là, il rapporte 1 point parce qu'il est adjacent à ce symbole. D'accord. Et si 2 tuiles sont adjacentes... Enfin, c'est comme ça, par exemple. Lui, là, il rapporte 1 point pour celui-là et 1 point pour celui-là. Je crois que c'est D'accord. ça l'idée. On revérifiera à la fin, mais en gros, ça va être en fonction des adjacents. C'est 1 point pour chaque icône correspondante se trouvant sur un bâtiment adjacent. Donc, par exemple... Voilà, c'est ça. C'est... Exactement le scoring des bâtiments. C'est, voilà, c'est ça. Donc ça, ça dit 1 plus 1, 2... Et ça, on va faire chaque bâtiment pour vérifier. Ça, on et d'ailleurs, je l'ai mis sur cette phase, mais oui, j'aurais dû le mettre comme ça. Ça, on le fait à la fin de chaque manche. De chaque manche, ouais. Et on... Non, ça, c'est le décompte final. Le décompte de fin de manche, c'est ça. Ok. Décompte final, c'est ça. Ça, le décompte de fin de manche, c'est que s'il y a des têtes. Hein. Ouais, mais ça, c'est zéro jusqu'au bout, ça. À la fin des 3 dernières manches du jeu, sur 5-6 manches, après l'étape des impôts, les aristocrates du conseil d'administration rapportent des points à tous les joueurs. Ah non, c'est à la fin des 3 dernières manches du jeu. Donc, c'est, tu vois, c'est à partir de là qu'on va compter les points de manche. Pardon. Et... Du coup, les 3 premières manches, la fin de manche, c'est juste tu payes tes impôts, quoi. Ensuite, on va faire la mine. Et sur la mine, on va regarder le nombre d'étoiles. Là il n'y en a pas, mais il y a des étoiles sur les bâtiments, vous verrez, enfin il y a des étoiles sur les tuiles de mine, et on va compter le nombre d'étoiles dans une ligne. Et parcourez chaque étage de la mine et additionnez le nombre total d'étoiles de chaque étage. Ça déterminera la valeur de l'étage. Les joueurs gagnent des points en fonction de cette valeur et de leur classement. Pour qu'en fait un étage soit pris en compte, il doit y avoir 6. C'est 4 étoiles minimum. Mmh. Et celui qui a le plus d'étoiles dans l'étage aura 4 points. Voilà. À partir de 4, 6 étoiles. 7... Ah oui, non, t'as 0, 3, 4, 6, 7 plus étoiles voilà, dans c'est... un étage. Mmh. Et donc après, tu regardes qui a le plus d'étoiles dans l'étage. Et voilà. Et on a ensuite la piste de réputation qui nous donnera quelques petits points en plus. Et le revenu qu'on va faire. On va faire notre revenu, on va le diviser par 10, ça nous fera des points en plus. Et par 10. Ouais, parce qu'en fait, tu peux faire 48 de revenus, ça te fait 4 points, quoi, en gros. Et ensuite, tu vas avoir chaque tuile bâtiment ici, que tu n'auras pas placé dans tes encoches, seront 1 point. Chaque parcelle revendiquée, 1 point. Et chaque jeton pélican non utilisé, 1 point. Et là, on a fait le tour de la règle. Ok, donc en fait, là, si tu bloques des trucs, bon, faut pas que tu en bloques trop parce que sinon, ça te coûte ça, mais sinon, ça te fait pas de points négatifs à la fin de la partie, quoi. Non. Merci à Camille Jess d'avoir renouvelé son abonnement. Je suis désolée, je fais les merci maintenant. Merci à Louise Buena pour les 100 bits. Merci au train de la hype. Merci pour le train de la hype. Merci à Sulfab et à Popote d'avoir pris des abonnements aussi. Merci très très fort. Je suis désolée de ne pas avoir dit merci il y a 6 minutes, Sulfab. J'étais concentrée dans la règle. Merci à Floref pour son abonnement, et merci à Erwan Braze qui follow la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, 4944 followers, on n'est plus très loin des 5000 s'il vous plaît, et bienvenue Erwan Braze sur la chaîne, ça fait extrêmement plaisir de te voir, installe-toi confortablement, mets tes pieds sous la table, et on est parti, donc moi je prends mon set de cartes, j'enlève les tuiles qui n'ont rien à foutre là,
Alors, c'est le genre de jeu qui n'a pas des règles très complexes, mais qui a quand même une grosse richesse de gameplay. Et donc, où au début, on va être un peu franchement en galère. Et où j'ai pas la moindre idée de par où je commence. Et où Marjorie risque de me rouler dessus. Mais bon, j'ai un peu d'espoir, parce que Marjorie a énormément baillé pendant cette règle. Et donc... C'est pas vrai, j'ai dû bailler deux fois. Ouais, c'est déjà beaucoup. Est-ce que j'ai baillé, moi ? Peut-être, on n'a pas fait attention. Et je sais pas par où commencer, et toi tu sais, hein, c'est ça. Tu me saoules, putain. Pour les scoring des mineurs, ils ne comptent que s'ils sont sur une tuile avec une étoile. Non, en fait, on compte chaque ligne, le nombre d'étoiles, et si t'as la majorité dans cette ligne, si t'as 3 étoiles, tu fais ça, si t'as 4 étoiles, tu fais ça, si t'as 7 étoiles, tu fais ça. Mais il faut que t'aies un truc dans ta ligne. Il faut que tes bonhommes soient sur des étoiles. Mais par contre, on compte toutes les étoiles pour savoir si la ligne est scorée, puis ensuite on regarde... Ah, faut que ton bonhomme il soit sur des étoiles, pas seulement sur une case. Bah oui, parce que s'il a pas d'étoiles, comment tu veux savoir s'il est majoritaire ou pas ? Bah non, mais pour moi, s'il avait une tuile dans la ligne... Ouais, et combien on sait qu'il a d'étoiles ? Bah non, t'as dit tu comptes les étoiles de la ligne. Ça, c'est pour savoir si elle est scorée ou non. Je refais. Je vois pas comment tu voulais que ça marche. Ouais, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit, à partir du moment où j'ai un mec là, on va compter les trucs de non, la ligne. Non, 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 non. Donc là, il n'y a rien qui marche. Ah si, là. Là, par exemple, il y a 4. Donc on regarde 4, 6. Si t'es là, et que moi, je suis là et là, on s'en fout. D'accord. Toi, mais t'as si une étoile, moi, j'ai deux bonhommes là, et toi, t'en as qu'un là, c'est toi qui score, moi, je score rien. Tout à fait. Ok. Ben, faut remélanger les tuiles, du coup. Parce que ça change tout, quand même. Bah ça y est, c'est bon, c'est mélangé. Ok, donc, moi, je vais faire quoi ? Je vais faire... Donc, je vais faire deux actions. Je vais faire ça. Et... Putain, je sais pas par où commencer. Et je vais me faire rouler dessus. Et ça. Donc, je fais... celle-là d'ailleurs, je vais faire ça et ça. Je fais ah oui, on en fait deux. Un permis et non, pas une mine. Je fais un permis et une parcelle. Ah bon, tu fais exactement comme moi, c'est chiant, faut que je fasse autre chose. Alors, bah, je m'en doutais que tu allais faire ça. Donc, je vais prendre Je vais prendre. Ah, c'est pas facile déjà. je vais prendre la fonderie, je crois. Coûte cher, putain. Ça, c'est avec mon action de permis. Et la fonderie, elle me coûte un document. Un document, ça coûte 4. Donc, je paye 4. Ça va pas être simple. Et je la réserve. De ce fait, je décale et je décale. Ça baisse le prix des monuments. La deuxième action que je fais, c'est réserver une parcelle. Et la parcelle, je vais la réserver, du coup, ici. Et ça, c'est mes deux premières actions. À toi. Ben moi, je vais faire pareil. J'hésitais pas mal, hein. Mais je vais faire... Oh, désolé, Fun Fanny. Quoi ? On commence juste la partie par contre. Bah elle a pas eu de notif. Ah bah ouais, on commence juste la partie. Allez go. Alors je joue un permis et une parcelle également. Donc mon permis, écoutez, je vais prendre ça pour l'instant, c'est un peu flou. Mais bon, l'atelier des maçons, c'est bien. Et merci vraiment d'être aussi nombreux, ça me fait extrêmement plaisir, surtout que le dimanche c'est souvent le dimanche c'est souvent le allez. Les joueurs de dimanche de Maxidan, donc je me dis les gens viendront pas et en fait vous êtes venus et ça me fait extrêmement plaisir. Coûte une pièce et mon deuxième truc c'est de parcelle que je vais mettre là-haut. On va se marcher dessus en une seconde. Là, c'est le but. Ok. On n'aurait pas dû retourner ce truc-là. Ah mince. Ah, alors, siège de Kutnaora.
à la fin de la manche, défausser la première tuile de chacune des trois piles bâtiments publics de départ. Ah. Donc ça sera à la fin de la manche. Si tu la veux, et ça met le... J'ai l'impression que ça met les impôts à deux. T'as déjà monté les impôts, toi ? Non, c'est, toi, c'est ta, toi et la démonstration. Ok. Je vais regarder... Ah, ok. Et ben donc, je pense qu'il faut que je garde cet horaire. Si lui, il joue dans la cœur de l'après-midi, moi, je vais jouer fin d'après-midi. Mais c'était mon horaire de, du Penelope Show avant. J'aimais bien cet horaire. Il me manque vachement. Non, mais il est super, mais c'est juste que dès que tu fais un truc, bah, ça peut pas être le dimanche, quoi. Enfin, tu vois, faut être là, quoi. Bah si, parce que le dimanche à 17h, on a le temps de faire des trucs, regarde, on a fait des trucs aujourd'hui. Mais sinon... On est d'ailleurs allé à la basilique Saint-Denis pour aller voir un truc qui est fabuleux. Ah ouais. C'est, enfin, la crypte de la cathédrale. La crypte de la cathédrale, c'est un truc qu'il faut voir absolument. Ah ouais. Vous avez l'ancienne nécropole, en gros... je crois que c'est mérovingien, mais j'en suis pas sûre. Oui, oui. Et les tombeaux des rois, ce qu'il en reste, hein, parce que ça a été extrêmement pillé. Mais c'est assez fabuleux. Je vous invite à regarder le crypte. Tapez crypte basilique Saint-Denis, c'est assez ouf. Elle est sur le métro 13 qui doit s'appeler Basilique Saint-Denis. J'ai envie de penser qu'ils n'ont pas fait l'effort. Alors, le quartier, c'est pas l'endroit le plus glamour du monde, mais c'est quand même un quartier qui a fait l'effort de préserver tout ça. Il y a des chantiers de fouilles de ouf. C'est quoi que tu cherches comme info? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu te mets à deux impôts. En fait, c'est parce qu'il y aurait plus d'impôts si on était 3-4 joueurs. Non, donc c'est rien à moi. C'est rien à toi. Ok, alors moi à moi à moi, je vais faire. Allez, je m'en fous, je fais bâtiment et mine. Je vais voir si j'y arrive. J'ai l'impression que ça va me coûter très cher tout ça. Alors là, je vais pas tricher, j'ai pas les deux. Donc bâtiment et mine. Et avec bâtiment, bah, je vais construire mon bâtiment. Je sais pas si c'est intelligent. Peut-être qu'il vaut mieux réserver plusieurs. Parcelle, c'est parce que là la parcelle elle coûte pas cher, donc je pourrais me dire pour l'instant je prends une autre parcelle. Non, mais ça va te faire des impôts de ouf. Ouais, non, t'as raison. Enfin, j'en sais rien. Non, parce que tu vas construire donc ça va pas te faire des impôts. Ou je fais bâtiment et parcelle parce que là j'ai une parcelle. Ah oui, non, je vais faire bâtiment et parcelle, figure-toi. Du coup, tu as niqué tous tes revenus là. Quoi, t'as plus de revenus dans tes mains, c'est ça ma question. C'est vrai, j'ai pas fait de revenus maintenant que tu le dis. Mais est-ce que je suis obligée de faire un revenu au premier tour ? Non, peut-être pas. Bah voilà. Surtout que, en fait, si tous tes trucs là sont à zéro, je pense que ton revenu, il a aucun intérêt. Il est pas ouf ? Bah il est zéro, quoi. Là, je vais faire bâtiment. En tout cas, ça, je suis sûre, je fais bâtiment. Je paye 7. Waouh, ça va me coûter extrêmement cher. 2 fois 7, 14. Ouh là là ! Donc, je récupère 6. En fait, c'est un jeu, je pense qu'il faut le commencer pour savoir exactement comment ça va se passer parce que on n'a pas de visibilité sur l'argent dont on a besoin. Voilà, tout de suite, je suis bien plus au fait du truc. Donc, je vais le construire là. Et ça me fait avoir 4 en minerai de fer. Et j'augmente ça. Ah merde, là, il se passe un truc chiant. Qu'est-ce que c'est, ça ? Donc je vais aller regarder. Cadre en minerai et par contre je ne retourne pas. Et là je retourne et ouais, j'ai, alors c'est une fonderie, hein, et j'ai ma petite fonderie qui est construite. Oh, j'adore. Je trouve que visuellement c'est trop trop beau. Donc j'ai ma petite fonderie et donc là si je construis là, si je réserve une passerelle là où parcelle là ou là, elle sera à 4. Et comme elle joue juste après moi, je crois que je vais aller réserver une parcelle pour le tour suivant. Ici, et je vais payer 4. Je sais pas si c'est intelligent, mais elle est moins chère. Donc, ça va beaucoup trop vite. Et je vais me mettre là. À toi. Moi, je vais faire ça. Donc, je fais bâtiment également. Alors là... Mais merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ah putain, j'ai pas pris le bon bâtiment. Moi, j'ai fait exprès de la faire après. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai pris ce bâtiment alors que je voulais celui-là. Et du coup, j'ai pas réservé le bon endroit. C'est pas grave, les enfants. On est ah, pas mais réserve au bon endroit si tu veux. Tant pis. Non, mais c'était là que tu voulais non, te mettre. Non, mais j'avais qu'à faire gaffe. Bah, c'est pas grave, c'est une erreur de début de partie.
Mais du coup, je construis ici, ça fait 6, 6 fois 2, 12. Tout à fait, Arcane Nexus. Du coup, je construis là. Alors, vas-y, tu me guides pour les récompenses. Alors là, tu vas monter ta production de jambon De de 4. 4. Tu vas monter ici le cours du jambon de 1. Comment je fais ça? Bah Je tu lèves pousse. légèrement avant de pousser. Non, 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 vers le haut, pas vers toi. Tu vas pas arracher le truc. Ah ouais, c'est Alors attendez, hop là. un. Je comprends pas. Je vais le faire. C'est parce que t'es pas. Ah, elle résiste un peu, cette conne. Je tiens à dire qu'elle était à deux doigts de se foutre de ma gueule quand même. Je sais que j'ai une motricité vraiment pathétique, mais là quand même, t'avoueras que. Voilà. Ah super. Qu'est-ce que c'est ça alors? Ben c'est la même chose et on va regarder. Quand il y a un 2 en croix comme ça, on a des aides de jeu d'ailleurs, c'est peut-être expliqué dessus. C'est que les nouveaux bâtiments qui produisent cette ressource ne peuvent pas être construits pour l'instant. Ah. Donc si tu as des bâtiments qui produisent du jambon, comme celle-ci, Ouais. tu peux pas le construire pour l'instant. Faut que ça ait changé ou monté. D'accord, bon bah Par ça. contre, regarde, tout de suite, tu vas changer deux cartes. Ah bah voilà, T'enlèves deux parfait. cartes du cours de ça, voilà. Donc je les mets derrière, c'est ça? Ouais, tu les mets tout derrière. Pas n'importe où, hein, vraiment tout derrière. Yes! Et donc, Par contre, j'ai une petite étoile, je sais pas si ça ça, veut la dire petite quelque étoile, ça veut chose. dire ce chiffre vient juste de changer. Ok, ça va. Donc voilà. Et qu'est-ce que c'est ça? J'ai oublié déjà. Ça, tu peux retourner une tuile comme Ah ça, mais merde. tu ne récupères pas son bénéfice, ça augmente les impôts. Super. De zéro. Ça, c'est vraiment super. On n'est pas censé mettre quelque chose là-dessus? Comment on sait que c'est à nous ce Ah oui, truc-là? t'as raison. Là, ah putain, j'ai pas fait l'effet. Ça, c'était l'argent, donc je mettais ça et je récupérais une tuile bâtiment public. Voilà. Bah oui. Alors, où est-ce que t'as pris ta tuile, toi, tout à l'heure? T'as fait le glisser? Ah non, je viens de prendre là. Tu l'as prise et tu l'as construite dans le même tour. Non, je l'ai prise au tour d'avant, j'ai pas fait glisser. Ok. Mais t'avais pas repris de tuile, toi, à ce tour-là. De toute façon, je prends pas dans ces piles-là. Non. Donc, maintenant, moi, je peux prendre une tuile bâtiment public avant que tu choisisses toi aussi. Et je vais prendre ça. L'hôtel des monnaies. Ça me plaît bien, ça. Tu la prends gratuitement. Je la prends gratuitement. Putain, c'est ça. Moi, du coup, j'ai pas fait gaffe à ce que Sans j'ai payer son coût. construit, mais c'est pas grave. Je prends ça et je grimpe de 1 là. Tout était bien, en fait, hein. Donc, on voulait tout faire. Et mon dernier truc, ça va être permis. Et vu qu'on va virer des choses, je vais prendre lui. Quoi, Dolmore? Si, si, si. Ah oui, le petit bâtiment sur la fonderie, ouais. Merci. Et toi, t'as fait quoi comme bénéfice? Et t'as pris un point de. Ouais. Un point de réputation. Ouais, et là j'ai pris un permis. Alors du coup, vu que j'ai pris un permis, j'ai pris un truc là, donc on redécale tout le bordel. Ouais. Et moi, je l'ai pris où d'ailleurs? De quoi? Ma tuile. Bah là, le truc tu l'as Ouais. pris, que t'as pris gratuitement, je crois que tu l'as pris là. Bah du coup, c'est bon. De toute façon, c'est revenu à droite, donc c'est bon. Ok, dernière action pour moi, enfin dernier tour. Je voulais faire. C'est quoi ce symbole-là? J'hésite. Je crois que je vais jouer Sainte-Barbe, mais je pense que je fais une erreur. Mais t'as pas de pélican? Ah, t'as raison, j'ai pas de pélican, putain. Je vais faire la mine alors. Je vais faire la mine et là je pourrais payer un document, mais comme j'ai un bonhomme, je le fais pas. Et je vais construire. Je vais creuser. Je vais prendre la première tuile. Je retourne et je paye deux bois pour pouvoir la mettre ici. Donc 2 fois 3, 6. Deux fois 3, 6, c'est. J'ai pu un radis. Je suis ravie de ne pas avoir fait de revenus à ce tour.
Mon prochain tour, bah, je peux commencer par un revenu, en fait, je m'en fous. Ouais. Mais là, il y a les impôts d'abord, non ? Tout va bien. Ici, je vais monter ma production, pour le coup, de minerais. Ah, là. Alors, non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, c'est justement, là. C'est pas la guilde. Je vais augmenter, je vais décaler d'une carte ici, tant mieux. Et ici également, c'est ça ? Et ici également, ouais. Okay. Et c'est tout pour le moment. Du coup, moi, j'hésite pas mal. J'adore, moi, les couleurs du jeu. C'est combien, comment on sait les impôts ? Qu'est-ce que ça nous coûte ? Là, c'est deux fois quoi ? C'est pas deux fois quoi, c'est deux. C'est, on paye deux pièces ? Oui, là, c'est deux pièces plus éventuellement tes... Voilà. D'accord, ah, ça va. Oui, au début, ça ne nous coûtera pas trop cher. 12 fois 3, ça m'a saoulé. C'était 2 au départ. Moi, j'avais fait des trucs par rapport au fait que ça allait être 2. Alors, je vais faire des revenus. Je sais plus quand... Il y a un moment, j'ai dit on montait les impôts. Je ne sais plus à quel moment c'est. Donc, je vais aller regarder. Ah si, c'est là. Mais il n'y a pas eu de tuile qui nous les a fait monter. Oh là là, est-ce que je fais ça ? Parce que les revenus, c'est pas ouf. Est-ce que je fais la mine ? Est-ce qu'il me reste une mine ? Allez, je fais une mine. Ah, je les ai montés là ? Bah non, tu vois. J'ai pris une tuile qui faisait monter les impôts. Mais j'ai pas pris mes... Ah mais non, mais c'est quand je la construis. Oui. C'est pas quand je la prends. Donc, je fais une mine. Je dépense pas de mec puisque j'en ai un. C'est peut-être une erreur. Peut-être qu'il faudrait qu'on en ait deux. Mais bon, bref. Je construis un truc. Donc là, je peux construire soit un truc à deux, soit un truc à quatre. Ce qui pète les dents. En plus, il n'y a pas d'étoile, on le sait. Je vais construire un truc à deux. Ah, tu veux que je remélange ? Non, non, c'est pas grave. Alors si, je vais remélanger, parce que c'est vrai que... Donc, 2 fois 3, 6. Vas-y. Attends, je vais la mettre là. T'en as une. Et du coup, j'augmente là de 1. Mm-hmm. Et ça, je le change. Ouais. Alors là, c'est juste chiant parce que nous, on a une mise en place qui est faite pour la vidéo. Ça, je l'aurais mis plus près de nous pour être plus pratique. Ok, fin de manche. Ça sort du cadre. Fin de manche. On récupère toutes nos cartes. Alors, fin de manche. Mais il y a d'autres trucs surtout. Ah oui, j'imagine. Alors... Fin de manche, on a ici, à la fin de la manche, défaussé la première tuile de chacune des trois piles bâtiments publics de départ. Ouais, donc là, c'est vénère. Hein, quand ouais, même. Ça fait très mal à la ça gueule. Ça fait très mal au fiac, mais c'est comme ça. Ensuite, on a... Je vérifie. Les bâtiments aristocrates rouges, non. La carte événement, on la retourne. Décompte des points. Et là, on c'est pas encore le décompte des points des aristocrates. Donc, non, on a payé les impôts. Non, on a... t'as payé toi là ? T'as payé deux ? Bah là, on paye les impôts. Oui, c'est ça. Donc, moi, je récupère 18. Comment ça, tu récupères 18 ? Bah, j'ai donné 20, quoi. Pourquoi t'as donné 20 ? Bah, ah oui, d'accord. Parce que j'avais oui. pas de monnaie. Moi, il me reste plus que 10. T'as fait un revenu, toi ? Non. Non. Et c'est tout, changement de premier joueur, je te l'ai filé le jeton. Et on retourne cette deuxième carte. À la fin de la manche, chaque joueur gagne un pélican. Ah bah c'est bien ça. On n'a pas d'impôt. Ça je sais pas ce que c'est par contre. Alors à chaque fois il y a un petit truc un peu historique qui est assez sympa. Ouais. Le premier c'était le siège de Kutnaora. Albert Ier de Habsbourg assiège Kutnaora à deux reprises. Les habitants cherchent donc rapidement à fortifier la ville pour mieux se défendre. Okay. Et toi ? Moi, j'ai construction de la cathédrale. La confrérie du Corpus Christi fait construire la cathédrale Sainte-Barbe au-delà de l'enceinte de la ville afin d'éviter de dépendre de la juridiction de l'abbaye de Sedlec. Et là, c'est faire progresser le paquet minerai du nombre de cartes indiquées. Mais je sais pas... Bah, ça, on le fait à la fin de la manche, non ? Si c'est à la fin de la manche. Bah, parce que toutes les conséquences, elles sont à la fin de la manche. Je me demandais si c'était... Oui, c'est pas... Oui, ça, c'est fin de manche et ça, c'est début. Ça aurait été là-haut si c'était au début, je pense. Exactement. Ok. Alors, du coup, c'est moi qui passe premier joueur. Ouais. Ces petits bitonios, là, ils vont où ? Pourquoi on en a en plus des trucs comme ça ? Je sais pas. Ils sont mis dans le jeu, ils te disent de le mettre à côté du plateau, mais à aucun moment ils en reparlent.
Ok. Très bien. Peut-être c'est si tu fais plus que 10. Ah. Je vais aller voir. Ça fait sens, mais ça veut dire que tu peux faire plus que 10. Donc ça, c'est bon. Bah, ça ferait sens. Pour les dizaines, me dit-on. Tu vois, je... Mais du coup, on ne devrait pas en avoir 3. Bah si, parce que tu... y a... je pense qu'il y a peu de chances que tu aies 4 trucs en dizaines, quoi. Ouais. Ah oui, mais ça, du coup, ça me rapporte pas de maison, ce bordel. Et là, on est d'accord que si je construis autour de celle-ci, ça va me coûter 5. Ouais, 5, ouais. Enfin, ça te coûte 5 de réserver la parcelle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça me coûte 4. Ouais. Tu peux te mettre là, hein. Non, mais ce que je peux faire, c'est réserver une parcelle là-haut, par exemple. Là, ça me coûte rien. Tu peux pas. Pourquoi? T'es obligé d'être adjacente à un bâtiment, là. Je l'ai déjà expliqué. Ah, merde. Et ça te coûterait 5, parce que réserver une parcelle, ça coûte 5. De base. Oui, c'est ça. Si je me mettais là, ce serait 5. Si je me mets là, c'est 5. Quoi qu'il arrive, c'est là, 5. C'est 4. Ouais, mais qu'est-ce que... Ah, elle est de quel coup... C'est quoi? Si, ça me va. Pardon, j'ai pas tellement bien programmé, parce que du coup, bah, je vais faire des revenus... Là, j'ai un comme ça, ce qui me fait 4. 3, 4. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et là, j'ai 3 jambons. 4 jambons x 2, ça fait 8. Putain, je suis pas sûre que c'était malin, ça. Ça correspond à quoi, ça, du coup? À quelle piste? C'est quand ah, tu... celle-là ? Oui, c'est ça. C'est oui, quand d'accord. Tu grimpes le métal. Oui, oui. De façon. Quand tu vas dans la mine. Est-ce que tu as un truc à boire ? Non, non, tu m'as rempli ma tisane, faut que je la boive. Elle doit être froide de ouf. Ben... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'aimerais bien augmenter ma production, j'aimerais bien prendre la brasserie. Mais si j'achète la brasserie, bon, elle coûte que 1, remarquez. Au moins, je vais faire permis. Parce qu'elle coûte que une pièce. C'est un revenu. Ouais. Je fais un permis et je prends la brasserie. Ça coûte très cher. Ou alors je fais 2 revenus. Je vais prendre un autre permis. Allez, je prends un permis. Comme ça, et je prends la brasserie. C'est ma première action. Et ma deuxième action, ça sera... Est-ce que je peux faire quelque chose? Putain, pff. Là, le cours du bois, il est à 3. Mmh. Le bâtiment, il coûte 8 et 9. Ce fils de pute. Tu m'en diras tant. Mais je pense qu'il faut aller creuser des mines, moi. C'est comme ça qu'on peut faire monter son revenu. Oui. Sauf que les mines, elles font toujours remonter le même revenu, donc je suis pas sûre que ça. Moi, je vais creuser une mine. Oui, mais si, parce que quand tu fais le revenu, tu prends, c'est de l'argent de toute façon que tu récupères. Oui. Donc je vais me mettre là, moi, ça me coûte qu'un. Ah ouais, c'était bien ça. Mais faut que tu payes pour avoir un mec dispo. Oui, d'accord. Ok. C'est 4. C'est 4. Donc je paye 4 et un bois, 3, 7. 2, 3, ça me met 2 mecs dispo. Putain, ça. L'argent dans ce jeu, ça va être quelque chose de sportif, quoi. Ok, et donc j'en mets un là. Ce qui fait que je monte de 2 mon niveau de ça. Yay! Et de 2 cartes ici. Ah, cool, ça a augmenté la valeur de l'argent. Ça me va très bien! Moi, je vais faire un permis et je vais prendre ça qui me coûte une pièce. Et tiens, et puis je vais faire un bâtiment.
Voilà, Dugong, elle est d'accord avec nous. Elle dit, ah mais c'est tout un art de boire une tisane. On la fait, elle est trop chaude. On se dit, on va attendre un peu et hop, on l'oublie et on la boit froide. Vous vivez donc tous notre situation. 15. Là, c'est froid. Hop. C'est très froid, mais je me force parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui s'hydrate très peu. Alors, attends, là, je fais ça. J'avance de 5 là. J'aurais dû faire mon revenu à ce moment-là. Mais alors, les languettes de couleur là, elles sont plutôt solides. Ça, Pénélope, ça, ouais. C'est je bouge de 1 là. Oui. Tu vas monter la valeur du bois. Donc, c'est super. Il va passer de 3, qui était déjà bien cher, à... Non, soulève-le un peu vers le haut. Non, non, pas comme ça. Tu veux pas vers le haut. Hein. Tu veux vers le toit. Vers le haut, c'est par là. Pour que, en fait, t'as une encoche. Donc, c'est pour que l'encoche passe. Mais au début, je pense qu'il est un... Et... Il me dit ouais, même, elle est à 2 maintenant, le bois. Mais ça me va très bien, fois, ça. On chie pareil que moi. Attends, j'ai pas fini. Donc ça, ça a fait ça. Donc ça, ça se retourne. Ouais. Et j'ai... Un bâtiment. T'as un bâtiment à mettre dessus. C'était maçon. Oui, c'est ça, un bleu. Ah, ça mange pas. Non, c'est pas bleu, c'est ça. Ah oui, c'est bien ça. Ah non, je m'en fous. Et tu prends une tuile bâtiment public gratos. Ah, je m'en fous. Et Ok. 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 C'est à moi. Eh bien, moi, je vais commencer sans avoir trop le choix par un revenu. Est-ce que c'est la bonne tuile ? Bah, j'ai pas d'autre choix. Oups. Je vais faire un revenu. Merde, j'étais à 3 ici. Je fais un revenu et donc j'ai 4 fois 4, 16, plus 3 fois 3, 9, 25. C'est beau. J'ai tout donné. Et donc, je vais pouvoir construire. Et je vais en profiter parce que, clairement, oui, le bois est pas cher. Donc, je vais 2 x 8, 16. Ou 2 x 9, 18. Et je peux pas faire les deux. Et je suis deck parce que si je fais celui-là, je vais monter le prix du bois. Non, tu montes le prix de la bière. Le prix de la bière. Ah, c'est bien ça. Par contre, tu vas bouger une carte. Tant pis. Je fais ça. Je fais une brasserie. Je bougeais pas de carte, d'ailleurs, moi. Non. Je construis la brasserie. Ici. Alors, attends. Je la paye déjà. 18. Je suis fauchée. Ça me fait monter en brasserie à 3. Je monte ici de 1. Donc ça, je vais re-regarder la logique du jeu. Ah merde, c'est 5 maintenant. Mon revenu n'en sera que plus faible. Mais la brasserie, ça ramène, hein, en pognon. Mmh. Et, ah oui, je change une carte. Ah, c'est là que je ne vais pas avoir de bol. 5, ça bouge pour. Et... Par contre, moi, ça bouge, hein, merci. Moi, et je tourne ici et ça va faire des impôts. Ça fait un d'impôts en plus. Et alors, attends, parce qu'il y avait d'autres effets sur la tuile, non ? C'est la mienne, ça. Oui, pardon. Ouais, non, j'ai tout fait. Je mets ma petite brasserie, boum, je récupère ça, et je monte de 1 de réputation. Et je retourne, ouais. Parce que oui, c'est là. C'est bien ça. Hop. Venez dans mon auberge, brave Jean. Alors, c'est ça, ça rentre, hein, parce que ça va être de mieux en mieux avec le temps. Donc, quand la population augmente, tu changes une carte, les prix augmentent. Okay. Quand tu changes une carte, les prix augmentent parce que ta population augmente. Mais quand tu construis des bâtiments, tu tires la languette et les prix diminuent. En fait, à chaque fois que tu vas vers la droite, c'est tu diminues les prix. Et quand tu tires des cartes, tu augmentes les prix. D'un côté, c'est la production de minerais. Alors, c'est pas tout à fait ça.
Tirer une languette augmente la production, donc diminue le prix. Tirer une carte augmente la demande, donc le prix. Merci. Voilà quelqu'un qui est logique. Merci Yokami. Ça y est, c'est là. Oh bah tu vois, j'aurais aimé le dire pendant la règle parce que effectivement, ça devient très logique. C'est la demande et le prix et la production. C'est bien foutu ça quand même. T'as pas fini ton tour. Ah oui, j'ai fait que mon revenu là. T'as fait qu'une action. Mais en non. fait, vu qu'on prend, on. Non, j'ai construit. Donc j'ai dû faire bâtiment. Ah bah, la dame, elle a même pas vérifié qu'elle pouvait. Ouais, bah parce que je savais que je pouvais. Normalement, on pose les cartes en fait. Oui. Mais j'ai pas fait mon tour non plus. Hein, donc, voilà. Et donc là, c'est le dernier truc. Écoutez, je vais faire mine. Je dépense 4 pour en amener 2. Et. C'est le bois, c'est à 2, donc je vais et 2, donc en tout 6 pour foutre une mine là. Ouh. Donc là, j'augmente de 1. Le bois est à 1, à 2. Oui. Et là, tu payais qu'un bois. Oui. Donc tu payais 2 bois. Ah oui, t'as payé 2 bois. 2 plus 4 parce que j'ai payé pour transférer des mecs. Ah oui, donc 6. Ouais, ouais, t'as raison. Et donc je change une carte noire. Deux. Ouais. Une noire. La production de minerais augmente donc. Ah. Non, c'est 2, hein, c'est 2 cartes. Mais c'est pas. Moi j'ai mis cette carte. Ah pardon, là. Oui, pardon. Et une comme ça. Voilà, le jambon qui revient en force. Ah, la demande augmente. J'étais sur 1, putain, j'ai bougé, je sais plus, je crois que j'étais sur 1. Je ne sais plus. Ok, c'est pas trop. Et ben moi, je fais un dernier revenu parce que j'ai plein de choses en plus et que le cours est pas mal. Donc, j'ai 3 fois ma bière, donc 5, 15. Puis, j'ai 4 fois l'argent, 16. Puis, j'ai 3 fois le charbon pierre, là, et ça fait 9. Donc, je vais prendre 10. Comme ça, j'ai une visibilité. Ouais, et je suis remontée à 40... 50. Donc là, fin de la manche. On récupère tous un petit pélican. On paye les impôts qui sont à 3. Il me reste donc 2 d'argent. C'est chouette, ce petit pélican. Quel enfer. Quel enfer. On change 2 cartes. Oui, alors ça, c'était quoi déjà? Oui, on change 2 cartes, effectivement. Donc, une. Ah, tu vois, le jeu va assez vite, quand même. Et 2. Ok. Et t'as payé tes impôts? Alors, non. Je dois 3 en impôts. Voilà. Nouvelle manche. 3. Je suis première joueuse. Alors, on augmente les impôts de 4, hein. 1, 2, 3, 4. Ça a fait mal à la gueule. Au cours de cette manche, les joueurs ne payent pas d'impôts, y compris ceux liés aux parcelles. Donc, en fait, tu as une grosse augmentée des impôts, mais ça payera qu'au prochain tour. Okay. Et on fera monter la population de 2. De la parcelle, c'est ruée vers les terres. La ville d'origine est construite autour d'une place centrale, mais vers 1360, de nouveaux bâtiments commencent à empiéter sur cette zone, modifiant ainsi la forme caractéristique de la ville. À toi. Alors, eh bien moi, je veux tout de suite, au cas où tu me la prennes, je veux pas que tu me la prennes, mais je ne sais pas quelle carte utiliser. Je vais prendre celle-là. Je vais réserver une parcelle. Je vais réserver celle-ci. Putain, elle coûte 8. Ah, j'avais pas vu, elle coûte si cher. Sa maman, être à côté de l'auberge, c'est tellement... Ouais. Ok, bah vite, hein. On y va. Je réserve une parcelle. Et vas-y, banco, qu'est-ce que je fais? J'ai ma parcelle. Je sais que je pourrais construire mon hôtel des monnaies. Le coût du bois n'est pas cher. Je crois qu'il va falloir se jeter dessus. Hein. Donc, 16. 1, 2, 3, 4... Je construis l'hôtel des monnaies.
On fait tout dans le mauvais ordre. Elle aurait bien sûr choisi une carte. J'ai bien sûr choisi une carte. Putain. J'ai l'impression que je fais petit bras, mais hop. Là, je prends un pélican. Yay! Je prends 2 points de répute. 1, 2. Les parcelles ne me coûtent plus qu'un. Oh, ouais, ça c'est fantastique. J'augmente de 2 la population. Le bois est toujours à 2. Le bois est toujours à 2. Ça va, ça bouge pas trop. Et je place un bozo jaune ici. Comment tu sais que c'est le tien? Tu le sais pas. Tu vas activer. Ça va juste activer le scoring. Ah, ok, d'accord. Mais du coup, t'actives pour tout le monde. Oui. D'accord. Et je retourne l'hôtel des monnaies qui n'appartient à personne puisque c'est un bâtiment public. Ça, j'ai oublié. Ça veut dire qu'il faut faire quoi, ça? Il faut avoir des trucs. Ça veut dire qu'il faut avoir quoi, ça? Ça, il faut avoir regarde quand je te montre. Une tuile dans chaque étage. Oh, nom de Dieu. Bah, qui est mal parti? Enfin, c'est pas une tuile dans chaque étage, c'est une tuile, je crois que c'est par étage. Tu fais 2 points. Je crois que c'est ça. Je vais vérifier. Ok. Alors moi, je vais faire... Pour chaque... Si vous possédez au moins une tuile étage à chaque étage... Ah non, il faut avoir une tuile à chaque étage. Qui est mal parti? Alors, bon, moi je vais commencer par faire un revenu. Vu que là, je suis au désespoir. Donc j'ai 5 bois... Donc, je vais faire 10. Ça, je sais plus comment ça s'augmente, là. C'est en train de me stresser, ça, parce que j'ai parlé de tout. Mais ah oui, il faudrait que je construise des trucs comme ça. Ça, j'ai 4 x 3. 4 x 3, 12. Et là, voilà, j'ai 2. 2 fois 3, 6. Ok. Et ma deuxième action, ça va être de réserver une parcelle. Putain, j'ai mes tours à l'avance là, je reviens pas. Réserver une parcelle qu'on va mettre. Et ça me coûte 5. Ok. Vas-y. Je vais faire un permis. Ça, c'est ce qui permet de prendre les tuiles, on est d'accord. Hein. Oui. Je vais faire permis, je vais prendre le moulin à cheval. Qui coûte 1 comme ça, donc qui coûte 5. T'as pas mis de maison là-haut? Ah non, sur les bâtiments ouais. Publics, on n'a pas de maison. 5. Et je vais faire une Sainte Barbe. Je sais pas combien je peux... Si je crois que c'est un seul. Donc j'ai... Ouais. Comme ça. Ouais. Donc tu perds 1 de réputation. Ah merde, bon, j'avais pas vu. Enfin, vas-y, moi ça me va. Hein. Alors attends, parce que là ça te fait quand même que tu vires une maison, donc tu vas gagner un bonus. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Non, ça me va pas du tout. J'avais retirer l'option maison le plus à gauche du enregistrement de votre choix, n'appliquez pas l'effet maison et augmentez de 2 la production correspondante. Ah, je retire une maison là et je... Non, tu retires un pion maison qui est là, le plus ouais, mais à gauche. Non. Tu prends pas le bonus, mais tu augmentes la production. Mais j'étais bien là, j'étais aux parcelles me coûte 1. Par contre, les parcelles, j'ai plus d'action pour les faire. Mais tu sais quoi, je vais refaire un deuxième permis, je crois. C'est quoi que t'as pris au tour d'avant? Ça. Donc, et ça, donc ça change pas? Et je vais reprendre une ici. Et je vais payer... Ça te coûte 5 du coup. Oui, je vais payer 5. Voilà. Ok. Alors, moi...
Pas du tout. Je pense que je vais faire ça. Hein. Je vais faire ça. Je vais faire un bâtiment. Là, 2 x 8, 16. Donc là, j'avais mis dessous. Et lui, je construis l'hôpital. Alors, l'hôpital me ramène un pélican. Deux. Un, deux. Et voilà, moi. En parcelle, on l'a qu'une fois. Bombardier. Ah non, on l'a deux fois. J'ai déconné, je les ai utilisés les deux vite. On met un jaune là. Yo Camille, la musique de Skyrim est parfaite pour tout. Et je bouge de deux. Et deux. Et ma deuxième action. Ma deuxième action, ça va être un permis. Et pour un, je vais prendre ça. Donc, hop, on échange comme ça. Dernière action, je fais mes revenus. J'ai rien qui me ambiance. Ah non, 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 non. Je fais une mine. Je mets un mec là. Ça me coûte 3 bois, 3 fois 3, 9. Donc là, j'augmente de 2 ici. J'augmente de 2 ça. Et de 1 là-bas. La une carte. Ouais, une carte. Ok, et moi ma dernière action, ça va être parcelle, et là ça me coûte 1, de réserver cette parcelle-là. J'ai eu peur. Ah, tu veux aller là ? Non, je te dirai pas. Donc là, fin de manche. Ouais. Donc on paye pas les impôts. On paye pas les impôts, mais on augmente de 2 ici, 2 cartes. Ok. Et... Wow, la pierre, elle rapporte. Je vais me faire plein de thunes. J'avoue. Et voilà. Ça, on le libère maintenant ou après ? Bah maintenant. Ok. Et ça, on fait ça. Donc, 180 000 gros de Prague. En 1390, Peter... Pisek, maître des monnaies, dépense 180 000 gros de Prague pour les hôtels et les chapelles de Sainte-Barbe. Une somme qui correspond à peu près au prix de 100 maisons de ville. Avant l'étape des impôts, retournez la tuile Sainte-Barbe actuelle et augmentez les impôts du montant indiqué. Ok. C'est quoi la tuile Sainte-Barbe ? Ah oui. Pour l'instant, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir notre réputation qui descend, mais moi, j'aimerais bien y aller à Sainte-Barbe. Et on va avoir 3, on va changer 3 là. Ok. Et c'est moi premier joueur. Alors bon, écoutez les enfants, là je pense qu'on n'est pas dans l'aberration de se dire qu'il s'agirait de faire du revenu. Revenu, 5 bois, 5 x 3, 15, parfait. Là j'ai 0, là 4 x 4, 16. J'ai bon là, 4 x 4, 16. 4 x 4, 16. Je ne dis rien, donc on enlève ça. Et 2 x 3, 6. Ok. Et ma deuxième action. Une action, c'est de faire un bâtiment. 4 x 3, donc 12. Et je construis lui là. Oui, j'aurais aimé faire dans le sens, mais je ne pouvais pas. Donc là, je prends mon bois, il prend 1, 2, 3. Là. Donne. Attends, c'est. Merde. Ça, c'était le premier. Donc il est passé à ça.
Non, il était déjà là. Non, on avait augmenté qu'une fois. Ah bon, oui. Oui, t'as raison. On change la carte. Une fois. Je retourne. Je mets une maison du bois. Donc, je peux réserver un truc gratuitement. Je peux réserver un truc gratuitement. Oh, oh. On ne sait pas. Hein. Hôtel de ville, c'est bien. On ne sait pas. C'est un truc public, en plus, qu'il faut que je réserve. Allez. Salut Lovely Meeple et bonsoir à tous. Si vous rejoignez ce live, on est en train de faire une partie de Koot Naora. Pour l'instant, moi, ça me plaît beaucoup. De ouf à toi. Eh ben moi, je commence par un petit revenu. Tranquille ou bilou. Je prends 5 x 3, 15. Non. 5 x 3, 15. Ensuite, la bière, 3 x 6, 18. Ensuite, l'acier, 4 x 4, 16. Et donc, c'est déjà ça. Hein. Donc, on fait... 16. Ben non, je peux pas. J'ai pas le droit. Donc, 1, 2... 3 et 1. Oui, j'ai plein de sous. Je vais faire un peu de monnaie. Ok. Ça, c'était ma première action. Je faisais un revenu. Et ma deuxième action, je vais réserver une parcelle. Oh putain. Réserver une parcelle ici qui me coûte donc 1. À toi. Qu'est-ce que j'ai fait de... Moi je vais faire parcelle également qui me coûte 1 et je vais aller là si ça ça marche pour les deux hein. Pour les deux. Ok. Et ensuite je fais Sainte-Barbe. Donc je retourne un pélican. Je fais ça, je perds 1. Oui, je suis un peu triste. Mais bon. Je perds 1. J'augmente les impôts. Ah enfin. Oui, tu augmentes les impôts. Ah non, non. Quoi, non. C'est avec ta tuile que t'as fait ça? Ou non, c'est avec j'ai ton action. Non, donc t'augmentes pas les impôts. Tu fais juste okay. Ça. Donc, j'ai perdu 1 quand même. Ouais. Donc, je vire une maison. Mm-hmm. Que je mets là. Et là, est-ce que vous croyez que c'est intéressé par un... Potentiellement, oui. Et je grimpe de 2. 1, 2. Ok. À toi. Et ben moi, je vais faire Sainte-Barbe aussi, dis donc. Ah putain, revenu, je voulais payer 10. Pardon, c'est la première partie, on m'en veut pas. Oui, je voulais payer 10 pour placer lui là. Sinon, ça servait à rien tout ce que j'avais fait. Donc, ma deuxième action, c'est Sainte-Barbe. Enfin, c'est ma première action, c'est Sainte-Barbe. Et donc, je vais retourner ça. Je fais. Je prends 1. Je prends la, 1. Que pour le canal. Et là, c'est. Je fais une parcelle n'importe où, ouais, gratuitement. Sans gratos. Yay, trop bien. Revendiquer gratuitement une parcelle n'importe où. C'est ça que je voulais. Donc ma deuxième action. On est d'accord qu'on est obligé de revendiquer une parcelle avant de construire. Oui. Tu peux construire que sur une parcelle. Ma deuxième action, c'est de construire un bâtiment.
Et je vais construire ça. Il me coûte 3 fois 2, 6. Et là, j'ai besoin de savoir quel est ce symbole. C'est lequel ? Prenez la tuile technologie minière du dessus de la pile et placez-la comme s'il s'agissait d'une tuile mine gratuite. Ne payez pas de bois et marquez là d'un de vos pions mineurs pris dans la votre réserve. Oh. Donc je vais le mettre là. Sans déconner. Et je prends mon pion dans la réserve. Ça, c'était ma première chose. Plus je monte ici, ouais, de 1, plus une carte ici. Une de chaque. Une de chaque, ouais. Et je retourne. Et donc là, il y a la dernière carte du tour. Tu gagnes pas des points de victoire en construisant une deuxième maison, Marjo ? J'arrive pas à bien voir le symbole, mais je crois que c'est ça. Si, là. T'as un point de victoire. Ah oui. Waouh ! On n'a pas fait beaucoup de points de victoire pour le moment. Non, pour l'instant, on peut pas dire que... Et là, bah, moi, je fais un revenu. Donc, là, j'ai 2 x 8, 16... Ensuite, j'ai 2 x 6, 12. On va être tranquille. 4 x 4. 4 x 4. C'est ça que j'ai joué là. Fait 4, 8, 12, 18. Oui, yes. C'est ça que j'ai joué. 4 x 4, 18. Tout le monde est en accord avec ce que je viens de faire là. Et 2 x 2, 4. Et je pourrais payer pour mettre du jaune, mais je crois pas que je vais m'en sortir, donc... Ok, super. Bon, c'est bon pour moi. J'ai fait ma dernière action. Eh bien, moi, je fais ma dernière action, qui sera une action bâtiment. Je paye 2 fois 2, 4. Je construis ça. Ici. Je reprends une tuile comme ça, que je mets n'importe où. Et je vais la mettre là. Et je mets un pion de ma réserve dessus. Mais il était disponible ? C'est un pion de la réserve. Ah, putain, c'est vachement bien. Ouais, et je monte de 2 ici. Et je monte de 2 cartes. C'est fantastique. Alors au niveau des guildes, j'ai fait une mise en place conseillée. Faut le savoir, hein. Pour le début de partie, pour une première partie. D'ailleurs, une maison à poser pour toi, Pénélope. Ah oui, pardon. C'était là. Bah, les deux en fait. Ouais, les deux, c'était les deux. Du deux comme ça. Ouais. Oh, c'est des pélicans. Les gars, je suis pas bien partie. Hein, sachez-le. Bah, on verra parce que on a monté les cartes là ou pas. Ben moi, j'ai monté pas pour la première carte, mais t'as fait 2 fois construction. Non, d'accord. Oui, mais... non, là, c'était... Tout à l'heure, je l'ai fait construction. Et là, je l'ai refait. Voilà. Donc, ben, là, je c'était sais pas ma dernière ce que t'as action. Pris, là. Ben là, j'ai fait monter ça de... En fait, là, j'ai pris la t'as tuile. T'as posé le truc là. La tuile, ouais. 2 de revenus, il faut monter 2. Voilà, c'est ça. Ça, on l'a pas fait. Et donc, un pélican, 2 pélicans... J'ai trop de pélicans et je les utilise pas. Et un point de victoire. Yay ! Moi aussi un point de victoire. J'adore ce genre, ce plastique. Je le trouve super. Oh, regardez, en fait, ils sont plus jolis de l'autre côté. Et ils s'empilent. Du coup, fin de manche. Donc, là, on vire 3 cartes comme ça. Alors, quand t'arrives là... Non, non, non. Parce que quand t'arrives sur cette carte-là, ça dit... Merde. Qu'il faut retourner tout le paquet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le paquet, il est dans l'ordre. D'accord. Et là, hop, t'arrives aux cartes numéro 15 et, et suivantes. Donc, t'es censé bouger celle-ci encore. Donc là, t'as fait une. Non, j'ai fait deux, une déjà. Là, c'est la deuxième. Et trois. Okay. Ensuite, avant l'étape des impôts, on vire ça.
et on bouge les impôts. Alors les permis, on peut plus en acheter pour le moment. Ah, pour le moment. C'est horrible. Donc là, on grimpe les impôts de deux, ce que je viens de faire, je crois bien. Et on paye ça. Et maintenant, on paye les impôts, donc on paye 10. Super. Ça fait beaucoup. Ouais. Et prochaine visite royale, la fortune du roi UNC. Attends, on n'a pas fait le score. Vas-y, bah, moi tu fais 2. Je fais 2 fois ça. Alors, donc, c'est pas tout à fait ça. C'est 2 pour chaque tuile, je crois. Oui. Attends. Bah, je vérifie. Ah, Si vous possédez au moins une tuile à chaque étage, gagnez 2 points de victoire. 4 si vous avez 2 tuiles. Donc là, tu gagnes 2 points. Non, attends. Attends. Si vous possédez au moins une tuile à chaque étage de la mine. J'entends, mais toi, t'as la version raccourcie. 4 points si vous avez 2 tuiles à chaque étage. Fois le nombre de têtes, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, tu gagnes 2 points. Ouais, il n'y a qu'une tête, donc je marque que 2 points. Il aurait fallu que je mette d'autres têtes. Très rentable. Donc là, le roi arrive, repose en grande partie sur les taxes imposées sur les mines de Kutnara et sur la frappe de la monnaie. Le roi s'intéresse donc de près à la ville et s'y rend fréquemment. Donc, alors, c'est pas sa meilleure configuration à 2 joueurs, mais j'aimais bien tester le mode 2 joueurs pour voir comment fonctionnait. C'est pas du tout gênant. Là, il faudra changer 3 cartes là-bas. Et pour cette manche, les impôts, y compris ceux liés aux parcelles, sont doublés. Les pénalités engendrées par votre réputation restent inchangées. Donc ça va faire quoi ? Bah, on va payer deux fois les impôts. Les impôts. Wow. Et tout de suite, on... Ah oui, non. C'est... Deux fois les impôts ? Ah. C'est moche. Alors. Alors. Réfléchissons. Moi, je crois que je vais aller Sainte-Barbée. Je retourne ça. Et je vais ici. Et je peux mettre un symbole depuis la réserve sur là. Et donc, je vais mettre un autre jaune ici. Ah non, pas forcément. Parce qu'il y a d'autres trucs. Mais non, mais tu peux mettre que de ce qui est là. Non, depuis la réserve. Pour moi, c'était cette réserve-là quand même. Je crois pas. Alors, je vais aller vérifier. Mais pour moi, c'est... Moi, ça m'arrange si tu fais autre chose. Hein, mais... Gagnez 2 points de victoire, prenez un jeton aristocrate de la réserve, pas du plateau, et placez-le directement dans le conseil d'administration. Donc, je gagne 2 points de victoire. Et là, je vais mettre un truc. Je vais mettre ici. Ils sont beaux, hein. Ouais, ils sont super. Et j'ai pris 2 points et j'augmente les impôts de 3. Ouais. Non, j'augmente pas les impôts, pardon. Ah, ça fait plaisir, parce que là, c'était compliqué. Ok. J'ai Sainte-Barbée, donc ça, c'était ma première étape. Dommage qu'on puisse le faire qu'une fois. Mais bon. Et en deuxième temps... Je me demande, lui, je l'ai pris. Je me demande s'il a été décalé sur la droite quand je l'ai pris. De quoi ? Lui. T'as pris quand ? Bah, tu sais, j'ai fait 2 bâtiments comme ça. Le premier, il était tout mais à droite. Mais ils n'étaient pas déjà là, tes bâtiments, quand tu les as faits ? Non, mais si, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est quand j'ai été... Wow, il y a longtemps, quoi. Je me demande si lui, j'ai été l'amener. Ah, bah, je peux pas te dire. Ça changerait tout, mais tant pis, écoute. Bah, écoute, je crois que non. Et je pense qu'on peut le mettre entre ça et ça. Ça change le prix, hein. Voilà. Ah oui, ça change le prix. Mais je suis quasiment sûre de ne pas l'avoir décalé. La deuxième fois. Pénélope, il y a un truc avec la réglette bleue. Oui, on l'a vu. Ça fait des heures, je l'ai dit au départ. Vous énervez pas. C'est pour ça que je le lis pas. Là, pour l'instant, les permis sont pas dispo. Mais je l'ai dit. Mec, s'excite. Quoi, non-lit ? Où ça, lit ? Il va falloir retirer quoi ? Tu gagnes pas de points de victoire ? Ah, t'as lu ça ? Qu'est-ce que c'est que tu gagnes pas de points de victoire ?
Alors, ce nom, pas le message précédent. La ville avance d'elle-même. Il va falloir retirer un bâtiment bleu et tirer la réglette. Tirer un bâtiment. Alors attendez, je vais voir. Alors, donc c'est ça qu'on a. Je croyais que c'était ça. Ok, alors du coup. La ville construit un bâtiment. Ah oui, alors c'est pas ça, c'était celui-là en fait. Bon, d'accord. Défausser la tuile du dessus de la pile et tirer la languette d'un cran vers la droite. Donc défausser la tuile du dessus de la pile, bleu. Bleu, ouais, j'imagine. Et on bouge la languette. En fait, ça. Tire par la droite, tire par la droite. Voilà. Ouh. Wow. C'est pas le même prix, hein. Merci. Merci. C'est bon, t'as jeté deux cartes? Non, pas du tout. Tu lagues. Oui. Les venteurs. Bah ça va, on a été speed quand même. Oui, mais là, tu lagues. Oh ouais. En fait, là, ce qui m'embête, c'est que les tuiles comme ça, elles permettent de gagner des pélicans, mais les pélicans, on va pas pouvoir les dépenser tant que ça. À moins que... T'as le joker, hein? Ouais, il y a le joker. Ouais, il y a le joker. Je vais faire un permis. Ah oui, si, on peut, du coup. Ah, putain, tout change. Je fais un je fais un permis et... Et je vais prendre... Putain, ça coûte si cher si je vais chercher ça, c'est pas possible. Prendre un bain public. C'est bon ? Ouais. Attends, ça me coûte donc 1. Et je décale. Moi, je construis un bâtiment. Je construis celui-là. 2 x 9, 18. Nous aussi, on t'aime, Chalumelu. Hop. Que je mets là. Merci, le Tinerone. Cette construction fait que je gagne 3 points de victoire. Ah, d'accord. Le dernier étage de la cathédrale, il est répétable à l'infini. Ok. Ouais, d'accord, mais... Je gagne un pélican. Bouge une carte. Je fais monter les impôts de 1 et je prends un verre. Donc ça, c'était ma première action. Ça, du coup, on met pas de bonhomme dessus. Donc ça nous rapportera pas de points. Ce sera par rapport aux autres que ça nous rapporte des points, quoi. Et bien sûr, j'ai fait celui que je voulais pas faire. Je commence à me... qui c'est qui s'agace toute seule, là? Toi. Ben, moi. Bon, et ben, je vais faire Sainte-Barbe, alors. Donc, je prends ça. Donc, ça, je gagne... Alors, attendez, faut que je comprenne cette carte. Tu gagnes autant de points d'influence, de réputation, que pour chacun de vos bâtiments publics adjacents à un bâtiment public. 1, 2, 3, tu gagnes 3 points de réputation. 1, 2, 3, je gagne 3 points de réputation. C'était bien ça? Ouais. C'est tout? Ouais. Donc c'est bon, à toi. Ça, c'est quoi ça? Tu fais une construction de bâtiment? Effectuer gratuitement l'action représentée. Donc c'est bâtiment, je pense. Ouais. Putain, c'est super ça. Ouais, c'est ça, c'est construction de bâtiments gratos. C'est très très bien. Ouais. Donc d'abord, on va faire une parcelle. Et on va réserver ça pour un. Parce que j'ai toujours ce qu'il faut. Puis, je vais faire une Sainte-Barbe. Avec un joker. Donc je perds un point de réputation, mais c'est pas très grave, j'avais un peu de marge. Et je retourne ça, je prends un point et je peux construire un bâtiment gratos. Un point,
et je construis mon bâtiment gratuitement là où j'ai réservé ma parcelle, c'est-à-dire ici. À ce moment-là, je monte de 2 ici en production de bière, je monte ici, merde, de 1. Merde, ça va baisser le coût de la bière. Encore une fois, j'ai pas fait ça dans le bon sens, mais c'est pas grave. J'augmente la population qui, à cause des bains publics, afflue vers la ville. Et je retourne une tuile Sainte-Barbe, et sans prendre son bénéfice, mais en augmentant pourquoi les impôts. Et du coup, je retournais un pélican pour faire ça. Yes, à toi. Ah oui, moi je retournais un pélican tout à l'heure quand j'ai fait Sainte-Barbe. Mm-hmm. Alors, bon, bah tu m'as saoulé parce que moi j'avais un plan parfait avec ce truc-là. C'est mon but, hein, de bousculer tes plans. Ouais. Bon, bah je vais essayer de faire ça. Alors, je fais permis pour un. Je réserve un truc. Alors, il faut que ce soit un truc malin. Tiens, pour un, je réserve ça, par exemple. Par exemple. C'est pas permis, hein. C'est parcelle. Alors, je sais pas. Parcelle, je réserve un. Et lui, 24, ça me coûte. Il faut que je garde 20. De 2. 24, il faut que je garde. Les impôts et là je paye 24, c'est une aberration de payer autant, non? Pour augmenter les impôts et tout, non, c'est pas ça ce que je fais. Je fais permis et je paye 1 et je prends lui. Je prends lui ou le genre. Je prends lui. Je suis pas contente de moi. Vas-y. Je crois que je vais faire un simple revenu. Et je vais faire 6 x 4, 24 plus 8. Ah, ça c'est moche. La pierre, elle vaut plus rien. 24 plus 8, on est à... Alors attendez, je vais faire 6 x 4, 24. On va y aller petit à petit. Hein. Ensuite, j'ai 8. Donc je vais rendre... prendre 20 et rendre... 12. Ensuite, j'ai 5 fois la bière, 25. Et comme j'ai fait un revenu, je vais payer 10 pour mettre... Ah, j'ai oublié de retourner ça. Faut que j'arrête de oublier de retourner ça. Parce c'était qu'en plus, jour. C'était ça. Donc, je prenais 3 points. Ouais. 1, 2, 3. Ah, en plus, du coup, je pouvais utiliser mon joker sans perdre mon point. Bon, c'est pas grave. Je fais qu'à faire gaffe. Ah, c'est donc, ça. Donc, je paye 10. Est-ce que j'ai payé 10? Oui, j'ai payé 10. Ça, c'est ma monnaie. J'ai payé 10 pour mettre soit les deux pélicans, soit les deux jaunes. On va mettre soit ça là-haut. Ça fait un point par bâtiment adjacent à moi. Bah non, 1, 2, 3, ça ferait... toi ? Non, non, mais à un bâtiment public. 1, 2, 3, voilà, ça fait 3. Et si je... ça ferait 3 points. Bah, je vais plutôt faire que toi, t'as... Toi, ça t'est plus rentable, quoi. 1, 2, ah bah 3. Le jaune, je suis pas dessus, moi. Oui, bah on va faire le jaune, du coup. Même si ça m'arrange pas, parce que c'est pas celui qui rapporte le plus. Ah bah c'est comme tu veux, il est pas trop tard. Bah ça me fait que 4 points. 2 points en plus, alors que les autres me faisaient tous les 2, 3 points en plus, mais vas-y. Du coup, je vais faire les revenus. Alors, les revenus. Donc là, je suis à 8 x 2, 16. Il faut que j'en ai 4. Et ça va être la dernière manche.
Et en vrai, on avait commencé la partie vers 19h15, donc le jeu va avoir duré une heure et quart. S'il te plaît, j'ai pas assez de monnaie. Une seule. Bah, je t'en donne quelques-unes. Mais j'en ai plein là, parce que juste dans mon esprit, il marchait pas. Donc là, j'ai 16. Là, j'ai 2 x 6, 12. Donc si je fais ça. Non. Ah putain! 12, si je fais ça, faut que je rende 8. 5. Je vais faire 2. C'est quel bordel. Là, j'ai 4 jambons. 20. Et 2. Ok. Ça va la thune? Et je paye 10 pour mettre lui là. Ok. Tu as eu raison, parce que j'aurais jamais payé 10 pour mettre le jeu. Ok, fin de manche. Et là, on paye les impôts. Alors, on change déjà 3 cartes. C'est la fin de la dernière... c'est notre avant-dernière manche qui se termine. Donc, on va faire la dernière manche, là. On paye les impôts x 2. Donc, 24. Ça, c'est trop cher. C'est trop cher, hein, j'ai pas assez. C'est l'enfer, ouais. Ah, je commence la manche pas bien. Et on fait les points. Donc là, t'as 4 points là. Ouais. Plus. Alors. 3 points pour nous deux. 1, 2, 3. Et là, 3 points aussi pour nous deux, je crois. J'étais où? Oh, je sais plus. 1, 2, 3. Et c'est moi qui passe premier joueur. Dernière manche. Et merci d'avoir été nombreux tout du long et de nous avoir aidés sur les points de règle. Donc, dites-moi dans le chat si le jeu vous plaît. Parcelle. Ah. Parcelle, je paye 1. Et je vais là. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça direct, hein, mais c'est pas grave. Et bâtiment. Et 5. Ah, on est passé à 3. Donc 15. Construis ça, donc là je fais 1, 2, 3. Merci Diva Mama de renouveler ton abonnement, merci beaucoup. Tiens, on a perdu un follower. On était à 4944 et on est passé à 4943. Qui a des follow? Qui es-tu? Ah, merci à Dream Steam d'avoir renouvelé son abonnement. Tac. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu passer par là. C'était un bleu, je fais ça. 20 mois. Oui, c'est vrai que t'étais le murmure des jeux. Alors, du coup, Dream Steam, je me disais, putain, Dream Steam, un ancien. Mais en fait, c'est toi. C'est à toi. C'est à moi. En première joueuse? Non, j'ai joué. Hop, c'est à toi de jouer. Ah, d'accord. J'avais pas vu que t'avais fait ta première manche. Du coup. Elle a des crocs. Ouais, parce que je suis pas ouf là. Mais je sais pas comment faire. Bon. Ah, est-ce qu'on n'a pas déplacé ce truc là? Vu qu'on a les cartes. Je vais faire l'action de mine. Je pioche 3 cartes, 3 tuiles de mine. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Tout va bien. Donc je prends celle-ci. Que je mets là. Ah, attends, d'abord, il faut que je paye depuis ça. Depuis le début, 4. On aurait dû tirer 3 cartes. Non, c'est en fonction de ça. Ah. Donc je paye ça pour pouvoir mettre 2 mineurs. Puis je pose ça là, ça me coûte 4 bois, ça me coûte une blinde. 12. Putain, le seul truc où j'avais la majorité, elle m'a pas foutu la paix. Et je viens là. Bah oui, je vais pas te foutre la paix, non. Et là, je monte de 1. Et je change cette carte en espérant que ça va augmenter la valeur de cette merde, là. Parce que... Ah, putain. Non. On n'est pas bien parti. On n'est pas bien parti. C'est-à-dire qu'on est en train de finir. Et toi, ouf. Attends, j'ai fait qu'une action. Donc ça, c'était ma première action. Ma deuxième action... C'est quoi ça?
Bah ça c'est tu fais tu choisis un de tes bâtiments et tu gagnes un point de victoire par icône identique adjacente. Par icône identique au bâtiment. Ouais. Attends, après c'est 5 points quoi, c'est cadeau que je te fais là. J'y vais pas. J'attends. J'hésite, j'ai plein d'hésitations. Je crois que je vais faire parcelle. Non, non, je vais faire permis. Ouh, attention, attention, attention à ce que tu fais. Pas ce permis-là. Merde. Bon bah, c'est cuit les potes. Permis. Non, sinon. Si je peux faire celui-là. Je suis désolée. Hein. Parce que si je fais ce revenu, je pourrais faire ce bâtiment. C'est bon. Ah oui, mais j'ai plus de parcelles si je fais ça. Ouais. T'as ton joker et il te coûte rien. Oui, 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 je sais. Je sais pas si nous pouvons ajouter les événements à 3 et 4 joueurs. Parcelle. Non, les événements, c'est que quand on est deux. Si j'ai bien compris. Ouais, mais je pourrais pas tout faire. Je pourrais faire soit Sainte-Barbe. Je pourrais pas faire de revenus. Et là, à ce stade... Attends, laisse-moi réfléchir. À ce stade de la compétition, est-ce bien intéressant? Je ne suis pas sûre. Je pense que je vais faire... Putain, je vais pas pouvoir construire, c'est nul. C'est très con. En fait, soit je construis, soit je fais Sainte-Barbe. Je vais pas pouvoir faire les deux. Mais normalement, si tu calcules bien... Ouais, toi, t'as déjà ta parcelle et ton truc. Hein. Bien, ouais, bah, c'était parce que je me suis battue sur la mine. Quoi. C'est ça, moi, la mine, j'y suis pas du tout, hein. Parce que là, moi, il me faut tout. Il me faut le permis, la parcelle et le bâtiment. Pour obtenir pas grand-chose. Tu veux rollbacker et pas foutre ta mine, là ? Non, non, non. Ah bah non. Elle me fait plein de points, celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, elle me fait 4 points. J'aurais pu faire mieux, tu veux dire. Mais vu que ça m'en fait 4 et pas à toi, donc ça fait 8 points. Donc non, non, j'y vais. C'est juste qu'il va y avoir des impôts, j'ai pas assez pour payer tout. On va payer simple impôt, hein, par contre. Ah, je suis désolée, là je lag parce que c'est en mes... En plus, j'ai déjà joué. Ah merde. Je dois anticiper tous mes tours. Ça ne change pas du tout. Ah bah je peux pas. J'ai dépensé toutes mes parcelles. Ouais, je m'en fous de parcelles. Bon, allez, je fais un permis. Si je fais ça. Quoi? Non. C'était celui que tu voulais peut-être? Je sais pas, ça coûte 3 x 4, 12 celui-là déjà, hein, pour le prendre. Ah oui. Mais bon, t'as le châtelet qui est le même genre. Qui est même la même chose, mais pas les mêmes symboles. Mais il me va pas si mal. Non, il me va pas. Si, il me va. Je prends ça, ça fait 2 x 4, 8. Allez, on y va. Ah, mais non, pas ça. À toi. Pardon, hein, désolé. Non, c'est pas... T'inquiète. La question, c'est est-ce que je fais ça? Je vais pas pouvoir tout faire. On le sait qu'on peut pas tout faire. Donc, je vais faire un revenu. Là, 8 x 3, ça fait combien? 8 x 3. 3 x 8, 24.
Ensuite, 5 x 4, 20. Merde, je vais pas pouvoir faire ce que je fais. Ça me saoule, putain. 4 x 5, on fait pareil, 20. Et là, 2. Ah, putain. Je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Ah. J'ai fait ça pour ça. Bah oui. Et tu vas pas pouvoir le mettre ? Je vais pas pouvoir le mettre. Merde, je comptais sur toi du coup. Ouais, tant pis. Non, non, je vais pas pouvoir le mettre parce que je vais devoir faire mon revenu avant de faire le bâtiment. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, le mauvais calcul, mais la fin de merde. Mais t'as encore 3 cartes là, toi, à mettre. Hein. Oui, oui, bah fin de merde. Bon, bah moi je vais construire celui-là alors, dans le doute. 12 x 3. Ça fait 36. Putain. Est-ce que c'est très cher cette histoire ? Un petit peu, ouais. Donc je prends 2 points. 3 trucs. 2 cartes. J'ai pas fait ce qu'il fallait, putain. La ville construit un jambon. Non, mais... Deux. Ouais, c'est très bien, Koutna. On avance les impôts. Un, deux, trois. On prend un noir. Ah, putain ! J'ai fait le revenu avant, du coup, j'ai pas pu... Mais j'avais pas le choix. Je suis saoulée. Ça me va pas du tout. Ah bah sauf si je fais ça alors. Bah du coup. Mais bon. Bah du coup j'aurais pas joué ce que j'ai joué du tout. Bah c'est ça hein, mon calcul. Oui. Calcul. Parce que là c'est très bien pour toi. Hein. De quoi ? Ce qui se passe. Ah bon ? Parce que je vais faire un revenu. Ça va être très nul. Donc 4 fois argent, 6 fois 4, 24. Six fois 5, 30. Et 9 fois 1, 9. C'est que barbe. Sainte-Barbe, mais ça va pas m'apporter grand chose en fait. Ok, et ma deuxième action, ça va être Joker. C'est nul. Donc en revenu, tu payes pas pour mettre lui là. Le Joker me coûte 0. En revenu, tu payes pas 10 pour mettre lui. Si, oui. C'est ça que je faisais. Et le Joker vaut 0. Et du coup, je peux faire Sainte-Barbe. Donc là, je vais choisir cette tuile là, qui a 1, 2, 3 symboles identiques. Donc je fais 3 points et j'augmente les impôts de 1. Ah bon ? Je croyais que quand tu faisais Sainte-Barbe, tu n'augmentais pas les impôts. Oui, oui mais... Ah non, non, t'as raison. Pardon. Oui, j'ai dit n'importe. Je fais 3 points. Vas-y. C'est nul. Garde de 3 points. Et tu retournes ton petit machin. Bon. 1, bah, 2, c'est bien 3. Ça. Oui, c'est pour ça que j'en ai fait. J'en fais 4 en fait. Donc là, la question, bah, moi, c'est... du coup, il me reste une carte. Ça, je fais ça, qui me permet quand même de faire 5 points. Ce qui est quand même oui, l'argent restant en fin de partie, il compte rien. Alors si, Arcon, t'as un revenu, tu fais ton revenu et tu le divises par 10. Ouais, c'est ça. Il faut payer les impôts, déjà. Tu calcules tes revenus et tu le divises par 10. Mais donc, c'est pas l'argent. Non. Parce que là, t'as une étoile... Mais je suis deg. Je peux essayer de faire ça. Allez, on va essayer. On va miner. Je peux prendre 3, c'est ça ? Non, ça serait moche. Oh là là, elle me passe devant. Je la déteste, putain. T'es vraiment une enfoirée. Ouais, je comprends. Mais sinon, j'ai 0 points. Mais non, t'as pas 0 points. Ça me très coûte bien. 4 x 3, par contre. 4 x 3, 12. Ça me coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Mais on s'en fout de l'argent qui reste. Moi, j'ai fait une action pour rien. Tu te rends pas compte, j'ai acheté cette merde-là. Et je la joue même pas. Pardon, et ça va dans quel sens ? Ça va comme ça. J'ai un mec là et je change la carte là.
Vas-y. Et là, j'ai mal joué parce que j'ai pas de dernière action. Comment ça, t'as pas de dernière action? Bah, la parcelle, elle me servira à rien. Je vais la faire. Ton revenu, ça fait divisé par deux, sinon. Divisé par deux, c'est quand même ça. Non, non, le revenu, c'est pas ton revenu, c'est pas ton argent. Je vais faire une parcelle, ça me fera un point. Bâtiment, je peux pas le construire. Voilà. Quelle fin de merde. Putain, elle me coiffe au poteau, là, la salope. Pardon. Je t'ai traité de salope quand t'étais pas là. Hein, parce que ça, c'est vraiment moche. Mais sur toutes les autres lignes, c'est mais toi oui, qui gagne. Mais non, parce que là, y a pas de... y a pas assez d'étoiles. Mais si, entre 0 et 3, tu fais 2 points, là. Ah oui, t'as raison. Ah non, oui. Mais non, oui, mais je fais 2 points là, mais pas là. Y a pas d'étoiles. Bah, d'accord. Okay. De toute façon, là, t'aurais pas eu d'étoiles. Non, mais et là, sans moi, t'en avais 4, tu perds 4 points. Mais tu et t'en gagnes 4. Tu vas quand même en faire 1. Hein, non, mais là, en gros, ça sert à rien. Ça fait que là, bah on si, s'est annulé. Bah voilà. Ouais. Ok. Ton honnêteté est touchante, Pénélope. Oui, c'est parce que je t'ai dit que je t'avais traité de salope quand t'étais pas là. Voilà l'habitude. Alors, ouais. Pas d'être traité de salope, mais de son... T'as fait ton dernier tour, vas-y, oui, fais non, tes 5 points. Mais qu'est, c'est moi qui avais commencé. C'est je t'attends depuis 1000 ans. Mais moi, j'ai fait mon dernier tour. Mais je sais, mais moi aussi, mais je t'attends depuis 1000 ans. Bon, vas-y, fais-les, les 5 mais points. Mais il est fait, je l'ai pas, c'est pas ça que j'ai fait, je t'ai niqué sur la mine. Ah, d'accord, c'est nul. Bah oui. T'en faisais 4, là, t'en faisais 5. Bah, j'en ai un de moins, parce okay. Que là, t'en fais 3 de moins. Alors, les impôts, on paye 15. Je suis large. Ensuite. Bozo. Tous les bozos. Donc, là, toi, tu fais... 4. Là, moi, je fais 6 et toi, tu fais 12, si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça, 6? Ah oui, et moi, je fais 12. Que je vais peut-être gagner. Et là, un par truc. Moi, ça n'a pas changé. Et moi, normalement, si. 1, 2, 3, 4. Et moi, 1, 2. 1, 2, 3, 4 maintenant. Pourquoi ? Ben, 1, 2. Ah non, je dis de la merde. 3. Non, celui-là. 3, 3. 1, 2, 3. Et moi, 4. 1, 2, 3, 4. Waouh. Non, mais je veux pas gagner, peut-être, mais on sait jamais. Bah, même quand j'ai beaucoup comment... d'avance, j'ai pas la comment tu gagnes pas, là. Ensuite, on a tous les scorings. Donc là, les c'est... Maisons, bah, alors là, c'est tous les points de maison. Et c'est quoi, tous les trucs avec les symboles. Me dis pas que t'as oublié. J'ai pas fait beaucoup là-dessus. Non. Moi, j'ai pensé à ça tout du long. Donc, un point pour chaque icône correspondante se trouvant dans un bâtiment adjacent ou sur le bord du plateau. Donc là, lui, il fait 2 points. 1, 2. Moi, je compte les miens déjà. 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9. 10. Je crois que c'est ça. Je fais confiance à moi. Bah, en gros, tu marques un point par le type de symbole. Et là, moi, j'ai 1. Alors là, je te le fais, regarde. Mmh. T'as 1. Non, mmh, c'est pourri. 2, 3, 4, 5. Bah non, c'est super. 6, 7. Et là-haut, ça compte pas, 8 ? 8. 9. Bah tu vois, t'as pas fait exprès, t'en as fait plus que moi. Merde, j'ai pas compté lui. Mais ça te rajoute un point, tout va bien. Et c'est tout. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ensuite, on a les étoiles. T'as pas fait exprès la violence. Et bah, elle a pas fait exprès, mais elle a bien fait quand même. Là, c'est la mine, je pense. Là, c'est la mine. Donc, effectivement, bah, la première ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu fais 4 points pour le majoritaire, donc c'est moi, et 1 point pour toi. 1, 2, 3, 4. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu fais 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est bon. Je
suis loin quand même. Là, il se passe 2 points. Là, tu fais 2 points. Revenus. Donc là, on fait les revenus et on les divise par 10. Ah oui. Attends. Alors, attends. Les revenus actuels, ils sont à... Je vais me les faire mano parce que... 24. Les mets pas avec le reste. Hein. Les mets pas avec oui, le reste. Oui, je peux faire de la monnaie quand même ou comment oui. ça se passe. Mais les mets pas avec le reste. Ce qui reste d'avant, ça compte c'est pas. C'est quoi 5, 30 ? Non, c'est ce que je viens de te dire. C'est pour ça que je t'ai dit de pas je le mettre. Je vais récupérer en monnaie quoi. 5, 30 et 9. Ce qui nous fait arrondi à l'inférieur 6 points. Elle va me sortir un revenu de 12 000. 66 points, ça me fait. Pareil que moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois que revenu, réputation. Donc toi, t'as fait des points là, moi aussi. 6 pour moi. C'est où ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En bas. Toi, t'as fait plus 10. 44, 54. Et divers. Donc on a un point pour chaque tuile bâtiment. Placé, moi j'en ai une. Ah, j'avais oublié ça. Un point pour chaque parcelle. Un point. Ah, ouais. Et chaque jeton pélican non utilisé. J'en ai deux. Deux points. Pareil. Eh ben. J'ai pulvérisé Marjo. Pulvérisé. Ah, bah là je ça te va, mets quand même. T'as 10 points. Plus. Bah 56, 66, t'as 15 points de plus, ça va. Mais il est bien, hein. Peut-être un chouïa long. Comment mais... elles sont à égalité sur la deuxième ligne ? Non, on n'est pas à égalité parce que c'est les étoiles. C'est les étoiles, donc c'est moi qui ai gagné. Rajoute-toi des points pour la seconde ligne de mine, vous êtes à égalité. Ou alors je me suis trompée, pour moi c'était les étoiles. Mais si c'est pas les étoiles, il n'y a pas égalité, c'est elle qui gagne. Les joueurs qui n'ont aucune étoile ne gagnent pas de points. Même si l'une des tuiles mais de l'étage leur appartient. Toi, maintenant. Tu as une étoile, tu n'en as pas aucune. Hein. Oui, mais ce que je dis, c'est que celui-là, il ne vaut pas, en fait. Il n'a pas d'étoile. Mais du coup, on est à égalité, alors ils ont raison. Pourquoi vous riez ? Mais non, on n'est pas à égalité du tout. Tu as trois... Non, mais c'est le nombre de mineurs. Arcon Nexus, il dit c'est le nombre de mineurs. Et auquel cas... on aurait chacune un mineur. Ah. Bah pour moi, c'était le nombre d'étoiles. Parcourez chaque étage de la mine et additionnez le nombre total d'étoiles de chaque étage. Cela déterminera la valeur de l'étage, comme indiqué sur le plateau. Les joueurs gagnent des points en fonction de cette valeur et de leur classement. Alors, voir ci-dessous. Là. Il y a 6 étoiles dans l'étage de la mine. Le plateau indique qu'avec 6 étoiles, les joueurs obtiendront 3, 2 ou 1. Violette et bleu ont chacun 2 étoiles et sont donc à égalité pour la première place. Non, c'est les étoiles qui comptent. C'est moi qui ai raison. Tech. C'est pas possible, trop d'hésitation, vous lisez pas les règles, c'est nul. Donc voilà. Arcon. Ben, c'est moi, désolé. Dugong, qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai pulvérisé si ma main. Si c'est Marjo qui dit ça, Pénélope serait vénère. Oui, mais bon, ça arrive assez suffisamment rarement pour que je puisse le dire une fois de temps en temps. Puis c'est rare que je dise que je t'ai pulvérisé. En général, j'ai plutôt vu la victoire plutôt c'est humble. C'est pas justifié, d'ailleurs, elle ne m'a pas pulvérisé. Donc qui a gagné ? Non, mais même si elle avait pas... Enfin, même sans ce débat sur les étoiles qu'on avait bien compris, il semblerait... que ce soit Pénélope qui m'ait pulvérisée. Bon, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, j'adore. Bah, moi, je le trouve très bien. Peut-être un chouïa long, mais en live, un c'est long difficile de se rendre compte. Il a duré 1h20 ? Oui, mais j'ai trouvé que tu réfléchissais un peu trop. Mais non, c'est pas qu'il est long, c'est qu'on a parlé une demi-heure, c'est qu'on n'aime pas la lumière, c'est que tout. Celui-là, non, je pense... Non, je sais, c'est pour ça, je te dis, vu qu'on est en live, je peux pas dire. Non. Mais sinon, il est super, hein. Et à deux, je trouve qu'il tourne bien. J'avais alors, peur de ces trucs-là. À deux, non, ça c'était rien du tout. En plus, c'est joli, c'est des chouettes cartes. Moi, j'aimais bien avoir les événements. Par contre, effectivement, je pense qu'à trois, c'est mieux parce que tu dois avoir plus d'interactions ici.
et là. Là aussi, parce que surtout en fait, là. Là, on n'avait rien en commun. Donc, ouais, donc on était un peu tranquille. Et je pense qu'à deux, c'est la config où t'es un peu chacun dans son coin peinard. C'est ça. Et on se fait un peu chier ici, un peu là. Mais principalement, on est quand même plutôt chacun dans son coin. Le système, par contre, qu'ils ont mis en place pour le bot, moi, je le trouve pas chiant du tout, parce que j'ai l'impression d'avoir un événement et ça me dérange pas du tout de gérer ce truc-là. Des fois, ça me fait chier, parce que j'aime pas quand on me met un joueur fantôme et tout. Mais là, c'est pas du tout le cas. Au niveau de ses défauts, bah, c'était ça. Pour moi, le défaut numéro un, c'est qu'à deux joueurs, on n'a pas beaucoup d'interactions. Ou en tout cas, l'interaction est moins forte. Et qu'on va avoir peut-être... Effectivement, on aurait peut-être fait 5 manches au lieu de 6. Parce que la 6e manche, j'avais l'impression que j'étais arrivée au bout de mes trucs. C'est ça. Et j'aime pas quand j'ai l'impression d'avoir une manche de trop. Mais mis à part ça, je le trouve vraiment super. Ouais, quoi. Je suis d'accord. Il se passe plein de trucs. Il me propose des mécaniques que je vois pas dans beaucoup de jeux. Alors, je suis désolée, mais je te note, au passage, Frangine, la petite pelle de tout à l'heure, c'est le dessinateur de la BD de JV. La BD de JV. Donc, il doit y avoir une BD dans JV. Mais trop bien. Bah oui. Mais trop la classe. Mais bienvenue. Merci. Je sais pas s'il est encore là, du coup, mais... Merci fort. Ah, un nouveau follow. Et merci à Mika pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Hey, coucou Rebentis, il est bien ce jeu, il va te plaire. Bah, elle sait, la pauvre. Enfin, la pauvre. Non, en fait, elle voulait jouer. Elle a fait ça malheureusement. Oh, moi, je peux pas y jouer. Mais en fait, elle n'était pas disponible. Ouais, elle jouait avec d'autres gens mieux que nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous étions que deux et pas trois. Ouais, je suis d'accord aussi. Quand on a une manche de trop, on a l'air con, hein, c'est une Duncan. Non, mais alors. C'est pas une manche de trop, genre, ouais, c'est vraiment trop long. C'est vraiment. Peut-être j'aurais aimé une manche de moins, c'est vraiment pour chercher les poux dans la tonsure, quoi. C'est vraiment pour dire, j'ai cherché les défauts du jeu. Pour moi, c'est à 2, ça doit être moins bien qu'à 3. Tant mieux, parce que les jeux où c'est marqué 2-4, c'est mieux quand ils sont bien à 3-4 qu'à 2. mais par contre, je trouve qu'ils s'en sortent très bien à 2. Ça m'a pas dérangé. Il sera un peu plus solo et un peu moins, moins d'interaction. Effectivement, il me gêne pas moins. Et j'aime beaucoup, moi, le... Alors, moi, ce que j'aime, c'est la sélection d'actions avec les cartes, avec le petit dilemme d'organisation et de planif. Parce qu'en fait, ça, ça a l'air de rien. Hein. Il n'y a que 6 cartes. Ouais. Mais en fait, bah, à chaque fois que tu choisis une action, tu en sacrifies une autre. Mmh. Et donc, bah, tu te dis, bah ouais, mais si je fais 2 fois mon revenu, bah ouais, mais si je fais 2 fois la mine, bah ouais, mais... Et moi, la dernière manche, elle m'a tuée comme ça. Genre, ah putain, je ne vais pas pouvoir faire le bâtiment parce qu'il faut que j'utilise ça et je ne pourrais pas faire ça et... Et en fait, t'as l'impression à un moment que tu crois que tu peux tout faire, mais en fait, pas du tout. Non. Et c'est ce genre de jeu où tu ne pourras pas tout faire. Où clairement, on aurait peut-être pu aller plus dans une direction ou une autre. Où il y a des mécaniques qui sont très agréables. Moi, je trouve que réserver son petit bâtiment, construire son bâtiment, monter sa production, construire... Tout ça, c'est vraiment chouette. Aller creuser la mine. Je pense qu'à deux aussi, t'es moins emmerdé par les autres, donc tu t'installes plus. J'ai un petit peu l'impression d'avoir été au bout de certains trucs. Ça... Je pense qu'à 3, c'est mieux. Effectivement, l'espace est plus grand et t'as moins l'impression. C'est pour ça que je dis que c'est la 6e manche. Pour moi, peut-être qu'elle est trop, pour rester un peu sur sa fin. Je suis d'accord. Mais bon, en même temps, c'est une manche où on a fait plein de trucs et où moi, sans cette manche, il y a plein de trucs que j'arrivais pas à faire. Donc, Tu me dis que tu trouves une manche de trop et tu trouves qu'il te manque une action sur la dernière manche. Oui, Arcane Nexus. Mais parce que, en fait, si tu me rajoutes des manches, je pourrais toujours... faire des actions. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais fait un peu le tour de ma strat. À la fin de la 5e manche, j'étais un peu... Voilà. Et les actions que j'ai fait à la 6e manche, ça a été, ben tiens, je vais faire juste un revenu pour placer un bonhomme. Bah, j'ai pas pu faire mon bâtiment. J'avais pas tout à fait réfléchi à l'avance. Parce que ta stratégie, elle s'arrêtait un peu à la 5e. Exactement. Et en fait, mais bon, ça, c'est une sensation que plein de jeux peuvent te donner quand tu les connais pas bien. Et que tu n'anticipes pas assez bien le nombre d'actions. Oui, parce qu'on dit ça, mais en même temps, tu vois, on a réussi à débloquer aucun rouge. Alors qu'en débloquant un rouge, on pouvait faire pas mal de points. Donc typiquement, on n'a pas été au bout du truc. Hein. Moi, je voulais débloquer un rouge, j'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, donc...
Donc il y a des trucs encore. Le système des ressources, je le trouve génial. J'adore le fait que la valeur change, qu'on n'ait pas plein de ressources, que tout se passe avec de l'argent, que quand tu fais ton revenu, bah, du coup, tu regardes ce que tu as comme production. Et en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie. Hein. C'est, ce qui t'intéresse, c'est surtout l'argent que ça va te rapporter. Ouais, et donc, tu as tout de suite le taux de change. Je trouve vraiment que c'est trop, trop beau. Moi, personnellement, ça sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais je le trouve magnifique sur une table. Il est vraiment changeant, en fait. Il a beaucoup de personnalité physique et mécanique. C'est pas un jeu que tu peux rapprocher de 36 jeux que t'as fait, et donc ça, c'est cool. Et là, je regardais un peu ce qui se disait. Le matériel aussi, et voilà. Donc. Moi, je pense que je vais vous abandonner parce qu'il est 20h40. Ouais. Et que je vais faire les deux, trois petites choses. Merci d'avoir. Je regarde les. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Je regarde les critiques. Même si elle m'a pulvérisée. Non, il y en a, ils disent que le placement... Dans les critiques, il y en a, ils disent que le placement des maisons est trop compliqué. Moi, je trouve pas. Non. C'est simple. En fait, la règle est quand même relativement simple. Et c'est ce genre de jeu où ce que j'aime bien, c'est que la règle de base, c'est... Tu prends des cartes et tu fais l'action. Point. Il n'y a pas 12 000 trucs à ton tour. Et ensuite, ce qui va être compliqué, c'est chaque action. Et les actions, elles font sens. Elles ont un sens logique. Tu réserves une parcelle, tu prends... En fait, c'est tu prends une tuile, tu réserves à un endroit et tu construis ta tuile. Point. Ça va pas plus loin. Et après, ce qui va être compliqué, c'est de gérer la valeur des ressources, le taux de change, le scoring, etc. Des fois, je pense qu'au début, tu vas te sentir un peu paumé et puis ça va se préciser. Mais là, moi, en fait, objectivement, il m'a donné beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si au bout de 3-4 parties, je vais pas me dire « Bon, bah ok, j'ai fait le tour ». Mais pour l'instant, il m'a donné beaucoup de plaisir. C'est le comptage des points des maisons qui peut être un peu fastidieux, mais c'est comme... Oui, le comptage des points des maisons, à la fin, il peut être un peu fastidieux, effectivement, mais c'est léger. Hein. Vous voyez, ça m'a pas pris 2 heures. Il y en a qui disent ça manque de complexité. Bah, moi, non, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon compromis entre un jeu... C'est un jeu expert... Mais pas too much, c'est pas un jeu extrême. D'ailleurs, il a une difficulté de... Sur 3,33. Moi, j'aime bien cette difficulté-là. C'est exactement ça que moi, j'aurais mis 3,33 à peu près. Je regarde les critiques, hein, surtout. Oui, alors à la limite, il y en a un, il dit c'est répétitif. Peut-être que c'est ça qu'on pourrait dire le plus. Non, ça par contre, il y en a un, il dit calculer le revenu, c'est chiant. Moi, j'aime bien au contraire, parce que c'est le moment où je découvre combien je fais. Et j'aime bien, moi, cette partie-là. Mais peut-être qu'effectivement, on va avoir un peu l'impression de faire un truc systématique. Je prends une parcelle. Mais bon, moi, j'ai pas trouvé ça... Le jeu file bien, hein. Dans ses grosses qualités, il y a vraiment le côté que le temps de règle, la logique du jeu, elle est assez simple à appréhender. Tout le système de jeu est vraiment fluide et j'ai pas accroché sur un point de règle. Une fois qu'on a les iconos, tout va très bien. La production du jeu et la qualité du matériel, elle est super. C'est quand même assez challengeant, c'est pas si simple. Il y a un vrai casse-tête, surtout au niveau de ces cartes. En fait, le plus gros casse-tête, il est là. Le plus gros casse-tête, il est dans la planification et l'ordre de ce qu'on veut faire et essayer de penser un petit peu à tout. Se dire, bah, il faut que je sois présent là avec les bons symboles, il faut que je surveille le marché ici, il faut que je pense au scoring là, il faut que je regarde ce que fait l'autre pour ne pas lui filer des points là-bas, il faut que je ne me laisse pas surcharger, dépasser trop ici. Le comptage des sous. C'est le côté Auvergnat qui ressort, ouais, c'est clair. Donc là, il y a d'autres gens qui sont au contraire très emballés, qui disent que c'est très très interactif. Donc là, moi, je pense que c'est... J'aurais aimé y jouer à 3-4 pour sentir l'interaction plus. Euh...
Non, non, mais voilà, les gros compliments du jeu vont surtout à ce système économique qui change tout le temps. Et il y a une logique, la population augmente, la demande augmente, donc les prix vont augmenter. Et si jamais on produit plus, les prix vont baisser. Un système très très malin, hein, ce truc-là. Donc plus on va produire de trucs comme ça et avoir de bâtiments qui permettent de produire de trucs comme ça, normalement, plus le prix, vous voyez, va baisser. Mais plus la population ou la production de ce truc-là va augmenter, plus la demande va augmenter. Donc c'est ça, ça augmente et ça, ça diminue. Et donc ça, c'est hyper malin. Moi, j'aime bien les jeux qui me proposent... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien les jeux qui me proposent une sensation que j'avais pas eue avec un autre jeu et des mécaniques que je connais pas. Et ça, je connaissais pas. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une fraîcheur. Même si ça peut sembler classique de prendre des tuiles, de construire des tuiles, le jeu me donne une sensation de fraîcheur et de nouveauté et de système un peu original. Oui, c'est ça, on est d'accord. Il a quand même relativement des bonnes notes. Hein. Il a une note de 7.8 sur BGG. Et c'est marrant parce que sur des mêmes points, on va avoir des gros commentaires négatifs et des gros commentaires positifs pour les mêmes choses. Moi, je lui vois pas de défaut majeur. Et je préfère rejouer à ça qu'à un Nucleum, par exemple, où Nucleum, je vais avoir le sentiment... des fois d'une énorme surcharge de règles pour finalement une sensation qui n'est pas beaucoup plus complexe à la réflexion. Et là, j'aime bien, c'est épuré. Enfin, en gros, c'est un peu ramassé, ça se joue en 1h15, 1h30. J'ai bien réfléchi, ça m'a bien pris le chou et on m'a proposé des trucs nouveaux. Moi, c'est vraiment très qualitatif. Et par contre, c'est le genre de jeu où mon avis, mon opinion va peut-être évoluer. Par contre, moi, ce que j'aime bien, je vais vous dire, je joue quand même à pas mal de jeux dernièrement, et il y a peu de jeux qui, au niveau du thème, du look et de ce que ça me propose, me donnent super envie à la lecture des règles et super envie à rejouer. Et là, moi, il y a plein de choses qui me font me dire, putain, celui-là, il va rester chez... C'est peut-être pas un jeu parfait, il est peut-être pas aussi parfait qu'un autre, mais il est bien fait pour moi, celui-là. C'est vraiment il va avoir l'avantage de pouvoir ressortir facilement. Il va avoir l'avantage d'avoir un thème historique qui me plaît bien, d'avoir un beau look qui me plaît bien, d'avoir des mécaniques qui sont fluides, un tour de jeu qui va vite, un vrai truc de réflexion, et pour moi un mélange un peu plus... Vous voyez, moi qui suis pas très planificatrice, et Marjo, elle est très planification, j'ai réussi à bien battre Marjo parce que, en fait, à chaque fois, il faut que je fasse avec ce que j'ai. C'est un poil plus opportuniste, quand même. Je regarde les tuiles là, je regarde à combien elles sont, je me dis, alors, il te reste ça, qu'est-ce que tu peux faire d'intelligent? C'est vraiment de l'optimisation. Il y a une part d'optimisation pour moi qui est intéressante et qui me rend le jeu plus, moins complètement... anticipation calculatoire comme Marjo adore, et même si là il y a de l'anticipation, mais c'est à court terme. En fait, c'est ça, je crois, que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que l'anticipation est quand même plus à court terme qu'à long terme, parce que c'est compliqué d'anticiper sur 3 tours, 3 manches, ce qu'on va faire, parce qu'il y a des choses qui vont changer. À voir après 10 parties, mais il en redemande. Ouais, c'est exactement ça. Ils n'ont pas voulu... j'autorise. Il en redemande. Merci à vous deux pour la partie. J'ai très envie de tester ce jeu. Original et très beau. À deux, mais aussi à quatre pour voir la différence dans le jeu. Voilà. Je reviendrai sans doute dessus. Je vous en reparlerai. Moi, j'aime bien le côté unique de ce système économique. Et le bon poids de difficulté que me propose le jeu et de réflexion, c'est vraiment pas si simple. On a du mal à se projeter. Moi, j'étais là, genre, cette tuile, elle me sert à rien, mais en fait, si j'avais pu la construire, j'aurais provoqué ce scoring, j'aurais fait 6 points en plus, alors que Marjo, non. Et donc, il y avait... Et puis, les scorings sont assez serrés, quand même. C'est pas des gros scores, on n'est pas dans des trucs... On a fait 71, et je pense qu'on n'est pas quand même nul.
Et je pense pas que ça soit si facile de faire plusieurs tours de table. Donc non, non, moi j'aime vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup Kutnahora. Je lui mets 8,5 pour le moment. 8,5 pour le moment, avec l'envie d'y revenir et peut-être et l'envie de l'approfondir. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il me donne envie d'y rejouer et il me donne envie de l'approfondir, de vérifier s'il tient bien le choc. J'ai envie d'y jouer à 3, donc on en refera une partie, je pense, avec, avec Rebentis, si elle est d'accord. Et, au début, je trouvais la DA trop sombre, mais au final, ça met bien en valeur les éléments du jeu et les dessins. Moi, je la trouve magnifique, la DA. Ça, moi, j'adore. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Ça, c'est doré et les couleurs, comme elles ressortent dessus. Allez, je vais essayer de vous montrer le plateau, là, parce que... La caméra du dessus, le problème, c'est qu'elle était très haute, parce que j'ai pas le choix, mais... Vous voyez le rendu... Le rendu, je sais pas si vous voyez le rendu argenté, non, vous voyez pas. Mais il y a une espèce vraiment de rendu, ça fait pas peinture grise, hein, ça fait vraiment peinture argent. Ils ont réussi à faire un rendu argent. Et je trouve ça super beau, quoi. Et les cartes comme ça, elles sont super. Voilà, je peux pas vous montrer bien. Si, ou alors je fais un truc. Hop. Ah merde! Bah, c'était pas ça que je voulais faire. J'ai oublié de mettre le mode studio. Hop. Je voulais vous mettre le contrôle de la caméra. Voilà. Elles sont chouettes, non, les cartes? Elles sont trop bien. Et puis, c'est vraiment cette espèce de petit... filigrane argent, vous voyez sur les personnages, ils sont pas tout à fait, ils ont pas le même traitement tout à fait que le reste, tout le temps partout. Puis même la cathédrale elle est super. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois beau et en même temps pas déjà trop vu, quoi. Moi j'ai pas vu 30 000 jeux qui avaient ce genre de visuel. C'est chouette, quoi, d'avoir ces couleurs là, cette espèce de parti pris. Bah, en fait, c'est vraiment, ça veut nous mettre dans l'ambiance minière, et donc il y a un côté argenté, doré, noir, sombre. Je trouve ça super, moi. Complètement super. Au niveau du look, je le trouve super. Sur ce... ouais, 8,5 sans aucun problème. Super système économique. Un vrai puzzle. Une mécanique qui s'intègre bien. Un truc qui joue fluide, une promesse qui est tenue, et assez d'innovation, un bon twist. Les questionnements que j'ai, je pense qu'il est mieux à 3 qu'à 2, donc déjà si on a aimé à 2, c'est cool, à 2 ça va. Et les questionnements que j'ai, c'est est-ce que j'aurais pas mis une petite manche de moins, est-ce que la manche est... Mais peut-être qu'à 3 ou 4, c'est... D'ailleurs à 3 ou 4, le jeu se joue en 5 manches. Donc à voir. Si on a ce même sentiment, je pense que moi j'aimerais mieux le jeu sur 5 manches. Et ouais, le voir si avec le temps on trouve un petit sentiment de répétitivité. Mais aussi on va souligner ce super matos, les espèces de matériel là, comme ça, cette espèce de plastique qui est donc du plastique recyclé. Et ben c'est super beau, pareil, hein, c'est agréable, ça a un poids qui est plus proche du bois, mais un bois un peu lourd. Et en même temps, c'est vachement détaillé. Les bâtiments sont vraiment très jolis. Vous voyez, c'est cool. Voilà. Sur BGG, il y a des personnes qui sont en train de faire un bot pour une vario de solo. Eh ben, c'est super. Ah, là aussi, c'est argenté. Moi, j'aimerais bien... allez voir le jeu sur des tables, mais le rendu est vraiment trop, trop cool. C'était Kutnahora. Et je suis bien contente d'y avoir rejoué. Et je suis contente de voir que ma sensation reste la même par rapport à ma première partie quand j'étais revenue des scènes. Des sensations de Hansa Teutonica selon certains. Alors, j'ai joué qu'une fois à Hansa Teutonica il y a un peu longtemps. J'aurais pas fait le rapprochement pour moi, mais peut-être que les gens qui la font. Alors, pour moi, le seul rapprochement c'est le look, hein, mais c'est tout. Mais les gens font souvent des rapprochements sur le look. C'est comme Skijo et Pixies. Ça ressemble, donc c'est le même jeu. Mais voilà. Merci à vous, hein, c'est pas moi, merci pour le live, c'est merci à vous d'avoir suivi ce live, merci d'être... Ah bah super. Je vous envoie chez Antares qui joue à Pixies avec Sylvain Trabu, trop bien.
Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain soir, Pénélope Show spécial, les sorties du mois de mars. Voilà. Et je suis plutôt en forme. Donc ça va bien se passer. Je prépare le raid vers Antares.